matin soir. Donc, voilà. Donc, vous avez la preuve que vous pourrez retrouver nos échanges sur un site du Cégep, là, qui sera, ça va être bien indiqué en début de semaine. La plupart des conférences, donc, ont été enregistrées et aussi, vous aurez accès au film de Carl Leblanc, L'Otage et La Belle Province. Et évidemment, le film de Francis Rose, vous pouvez le voir directement sur le site en ligne. Et bon, voilà pour ça. Donc, je reviens à notre propos d'aujourd'hui. Alors, c'est un hommage et pour vous, peut-être une découverte à Antoine Desilets, qui est décédé en 2019 et qui est considéré comme le père du photojournalisme québécois et tout particulièrement sa couverture de la crise d'octobre. Antoine Desilets fait l'objet de plusieurs livres. Déjà lui-même, donc, de son vivant, il publiait des ouvrages souvent à teneur pédagogique. Il faut se rappeler que dans les années 60-70, les Québécois n'étaient pas comme aujourd'hui munis d'un téléphone cellulaire et donc la photographie était réservée à quelques personnes. Les appareils souvent coûtaient très cher. Bref, il a consacré toute sa vie à son œuvre et donc est connu souvent pour ses conseils techniques. Donc, les gens achetaient les ouvrages et finalement, pouvaient devenir leur propre maître dans le domaine de la photo. Mais en 2011, c'est un peu le sujet de notre propos, il y a un livre donc, qui est paru, un beau livre avec des photos, on pourrait dire un peu son « the best of », et c'est là que M. Nadeau a travaillé avec M. Desilets, donc Luc étant le père évidemment d'Antoine, et de ce que j'ai compris, c'est lui qui est un peu le détenteur des droits d'auteur, enfin avec sa famille, c'est lui le porte-parole à tout le moins, donc il s'est beaucoup intéressé à la carrière professionnelle de son père, c'est un puits de science à cet effet. Et donc, M. Nadeau, à l'époque, avait collaboré au livre, donc il connaissait déjà M. Desilets Antoine, et il pourra un peu vous dire aussi tantôt comment ça s'est passé. Je reviens un peu sur M. Desilets. Donc, disais-je, il est surtout connu comme, présentement, il est député donc au Bloc québécois. Alors, c'est assez amusant parce qu'on entend beaucoup parler de la crise d'octobre présentement partout, et on sait qu'au Bloc et à Ottawa aussi, le Bloc, entre autres, a demandé des excuses pour les 497 supposés prisonniers politiques. Je dis supposés parce que c'est une expression assez ambivalente dont nous avons d'ailleurs traité hier. Alors, on pourra revenir là-dessus. Mais quand on parle de ces 497 personnes, ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des poseurs de bombes, c'est encore une fois les gens qui ont été arrêtés de façon arbitraire pendant la crise où une partie des droits individuels était donc la police pouvait se diriger chez vous et quasiment défoncer la porte et saisir des papiers, vous amener en prison sans avocat. Et il y a des gens qui ont effectivement été là pas loin de 2 mois. C'est le cas, par exemple, d'André Ferretti, mon ami, qui ne pouvait pas être avec nous, mais dont on pourra jaser un peu tantôt. Je reviens toujours à Luc. Donc, Luc, avant d'être député du Bloc, est réputé donc pour être un pédagogue. Il a longtemps été directeur d'école dans la région de la Rive-Nord de Montréal. Et il est aussi romancier à ses heures. Donc, c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au côté littéraire et artistique, puisque la photographie, aujourd'hui, est effectivement reconnue comme un art à part entière, ce qui n'était évidemment pas le cas dans les années 60. C'était quelque chose de considéré comme utile et intéressant, mais il y avait effectivement un certain snobisme comme le théâtre versus quand le cinéma est arrivé. Le cinéma était considéré comme un truc populaire, alors que le théâtre était, n'est-ce pas, un art reconnu. Donc, la photographie aussi a fini par prendre ses lettres de noblesse. Dans le cas d'Antoine Desilets, dans le fond, ce qui manque peut-être, c'est qu'on peut difficilement acheter ses photos. Je ne pense pas qu'il y ait eu des galeries, ou du moins, normalement, un grand photographe est connu parce qu'il y a une galerie
qui pousse sa carrière. Et évidemment, là, on est peut-être un peu dans un trou noir ou un purgatoire. Et j'entends bien le sortir et le mettre, modestement, donc, ma collaboration, pour le mettre en plein jour. Tant qu'à M. Nadeau, bref, il a fait carrière dans le domaine du journalisme. Il est d'abord politologue, historien. Il a longtemps dirigé les pages culturelles du Devoir et il est dorénavant directeur adjoint de l'information, ce qui est sûrement quelque chose qui l'occupe à temps plein avec la pandémie, les élections américaines et la crise d'octobre. D'ailleurs, M. Désilet me confiait qu'il a dû quasiment déplacer un comité des communes pour être présent avec nous aujourd'hui. Nous l'en remercions et j'imagine que M. Nadeau aussi, nous sommes en deux, dans son casse-tête, donc c'est fort apprécié. Oui, M. Nadeau aussi est un écrivain. Il est notamment l'auteur d'une biographie sur Pierre Bourgault et c'est là qu'il a dû rencontrer Antoine Désilet, qui était un peu comme le photographe officiel et de M. Bourgault et même du RIM. Donc, peut-être que je donnerai tout de suite la parole à Luc, qui pourrait nous expliquer un peu la place, dans le fond, que la photographie a occupée chez son père dès son tout jeune âge. Bon, alors, regardez, oui, la photographie, pour mon père, ça a été une passion toute sa vie, jusqu'à ses derniers instants, parce que Dans la tête de mon père, depuis des années, il souhaitait mourir avec son appareil photo au cou. Et il a fait appel à l'aide médicale à mourir. Je ne veux pas être pathétique, là. Il a fait appel à l'aide médicale à mourir et il avait l'appareil photo au cou. Il a été incinéré avec son appareil photo dont j'ai des résidus dans une petite boîte. Mais bon, abstraction faite de ça. Juste pour vous symboliser jusqu'à quel point ça a été important, ça a fait partie... Ça a plus que fait partie intégrante de sa vie. C'était sa vie. Quand on parle de passion, vous avez toutes des images qui vous viennent à l'esprit. Ben, c'est un homme qui certains ont dit qu'il dormait avec son appareil photo. Puis lorsqu'il disait ça, c'est parce qu'il y a des prises de vue par moment qu'il a pris qui sont peut-être un peu exceptionnelles ou on peut difficilement comprendre comment il a pu. Il était au volant, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Alors, il avait toujours son appareil photo avec lui, peut-être pour lui, là, mais toujours son appareil photo avec lui. Et ça a été comme ça toute sa vie. Depuis que je suis tout petit, je le vois le mettre en dessous de son siège d'auto lorsqu'il conduisait. Au chalet, il l'avait à tout moment. Il se fait arrêter pour un ticket sur la route. Il sort son appareil photo, puis un peu de façon baveuse, va photographier le policier pendant qu'il lui remet le ticket. Ça vous donne un peu l'idée. Ça a fait partie intégrante de sa vie. Puis ça a donné peut-être le résultat qu'on connaissait. C'est-à-dire une œuvre assez... j'essaie toujours d'en parler hyper objectivement, mais c'est toujours un peu difficile parce que c'est mon idole, mon père. Okay? Alors, c'est une œuvre volumineuse que j'ai cédée avec lui là, à la BANQ, aux Archives nationales du Québec, à deux moments différents. Alors, toute l'œuvre de mon père se retrouve là. Bon, nous avons gardé les droits d'utilisation, la famille, mais toute l'œuvre se retrouve là. C'est une œuvre volumineuse, mais je dirais, pour moi, ce qui fait la particularité de l'œuvre de mon père, c'est qu'en plus d'avoir gagné une multitude de prix à l'étranger, particulièrement au tout début de sa carrière, c'est comme ça que s'est fait connaître ici, et qu'on lui a demandé d'écrire des livres, en plus d'avoir été un photographe de presse important, puis bon, oui, on lui donne l'étiquette de père de la photographie de presse, je crois que c'est justifié. Il a évolué dans des zones peu connues à l'époque et peu utilisées de la part des photographes. Et je pense à de la photographie humoristique, entre autres. Très peu de photographes sur la planète faisaient la photographie humoristique dans les années 60-70. Il en a fait amplement. Et je vous dirais que c'est probablement le secteur qui l'a évidemment le plus amusé, mais qui l'allumait le plus. Il a d'ailleurs fait un livre à travers les 12 livres sur la photographie. Il a fait un livre qui s'appelait « Les insolences d'Antoine » avec un journaliste de la presse à l'époque qui s'appelait Jean-Claude Trait. Alors, « Les insolences d'Antoine », ça se veut uniquement des photos humoristiques avec... toute petite vignette là, qui, qui,
qui bonifie peut-être le message photographique. Donc, des archives volumineuses, des secteurs peu exploités. Je parle de photographie humoristique, mais aussi d'expérimentation en photo. Ça commençait, mais lui, il prenait un grand plaisir. Ça a toujours été un grand enfant, mon père, à quelque part. Toujours heureux d'apprendre, de découvrir, là, comme un ado, comme un jeune le fait. Et la photographie expérimentale, c'était style des solarisations, post-solarisations, des techniques pas très compliquées, mais qui ne se faisaient pas nécessairement beaucoup. Alors, il s'est amusé beaucoup à ça. Une solarisation, exemple, lorsqu'on développe une photo en laboratoire, bon papier en dessous de l'agrandisseur, on ouvre la lumière, on met ça dans le révélateur, bien, il y a une image qui apparaît. Si à un moment donné, en cours de processus, il y a une lumière qui s'ouvre dans le laboratoire, ça a un impact sur le développement de la photo et ça modifie, pour ne pas dire transformer les zones de noir en blanc, bon, etc., etc. Une solarisation, ça ressemble à ça. Alors, il s'est amusé beaucoup à faire des choses du genre. On parle de photographie de presse, mais une autre de ses passions, et c'est ce qui le distingue, je trouve, c'est tout le volet politique, puis implication politique qui a eu comme aboutissement, dans le fond, son implication assez importante avec le RIN, avec Pierre Bourgault, avec le MSA par après, avec le MSA, le RIN qui a donné le PQ. Bon, implication politique. Et ça fait de lui, je pense, pas ça fait de lui, mais ça fait de ses archives ou d'un volet de ses archives quelque chose d'important aujourd'hui, très important. Il y a eu l'opportunité, la chance de photographier les années 60-70. C'est certain qu'il n'y avait pas 12 000 photographes qui avaient cette opportunité-là ou qui étaient sur le terrain, tout simplement. Alors, c'est une chance. Et le volet photographie politique a pris une place prépondérante, c'est clair. Il a été impliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup politiquement. Moi, je me souviens, en bas âge, d'avoir vu circuler... à partir de la première élection du Parti québécois là, jusqu'au milieu des années 80, fin des années 80, 50, 70, députés ou candidats pour le Parti québécois. À l'époque, c'était pas un même photographe qui photographiait tous les candidats. Là. Les candidats se choisissaient un photographe. Bon, puis c'était sa façon de donner, de contribuer. C'était habituellement du bénévolat, mais son bénévolat ou son action communautaire. Alors, M. Hull, c'est ça que je vous dirais en gros. Là. Mon père, bon, c'est ça, c'est sa passion, son œuvre, ça ressemble un peu à ça. J'ai parlé rapidement de ses écrits. Ça a été des ouvrages, les 11 ont été des ouvrages techniques sur la photographie. Ça a été publié en 3, 4, 5 langues, je ne me souviens plus trop. Ça a été publié à 750 000 copies au grand total peut-être. Mais il faut dire qu'encore une fois, comme vous le disiez si bien tantôt, on parle de 1969, le premier livre, il n'y avait pas de littérature au niveau de la photographie à l'époque. Là. Alors, il y a eu la chance d'arriver à un moment opportun pour ce type de publication-là. On était tous, bon, j'avais 10 ans moi à l'époque, là, mais on était tous attirés par ce médium-là qui était complètement fou, là, faire des images... C'était accessible, c'était assez extraordinaire, c'était de la magie. Là. Alors, on a tous été subjugués par ça. Il s'est mis à écrire ses livres à ce moment-là, ça a bien fonctionné. Puis ça a été, je pense effectivement, vous parlez de pédagogue, mais c'était face à moi, là, mais je vous dirais que lui, ça a été un très grand pédagogue à ce niveau-là. On fait encore référence assez bizarrement à ses livres, alors qu'on est aujourd'hui dans un autre monde quand on parle de photographie. Là. Mais il y a des choses qui ne se démodent pas là-dedans lorsqu'on parle d'image, de composition, de règles des tiers, etc., etc. Alors, c'est ça. Mais il a permis à deux générations, mettons, d'apprendre par l'entremise de ses écrits. À peu près ça pour l'instant, M. Hull. J'aurais envie de vous entendre parler un peu de son enfance, parce que j'ai quand même lu là, le livre. Est-ce qu'il est d'ailleurs encore disponible? Parce que tout ce qui date de 10 ans au Québec, c'est toujours difficile. Est-ce qu'il y a, d'après vous, c'est toujours en vente? Je ne pense pas qu'on puisse le trouver en librairie. Euh, je, je,
J'en ai moi quelques centaines à la maison, je vous dirais. Une entente que j'avais avec l'éditeur quand ça s'est mis à moins se vendre. Vous connaissez un petit peu le cycle du livre en édition, c'est pas évident, là. Alors, c'est ça. Moi, j'en ai des copies, mais non, il n'est plus en vente. Voilà, Son enfance? Oui, excusez. Oui, non, ben c'est un peu ça. Il faudrait peut-être penser éventuellement à sortir un autre livre là, plus complet. Il y a peut-être des projets, d'ailleurs. C'est d'avoir des étudiants qui font des recherches parfois en histoire de l'art ou je ne sais trop, non? Ça a pas... Moi, j'attends Jean-François Nadeau pour faire une deuxième version. Là. Bon, on a fait un appel du pied. Jean-François connaît très bien... mon père et l'œuvre de mon père, il y aura l'occasion de nous en parler tantôt. Oui. Il l'a connu bien avant qu'il publie le livre sur Pierre Bourgault. Je lui laisserai vous en parler tantôt. Mais regardez, oui, si ça peut vous sécuriser, vous faites allusion au livre. Je suis à travailler depuis 6 mois, mettons, sur une page web là, où on va retrouver des dizaines de milliers de photos de mon père. Et un peu tout le pedigree du paternel. Il y a deux éditions limitées, c'est pas vrai, il y a trois éditions limitées de photos qui existent, sur lesquelles j'ai mis aucune énergie, malheureusement. Là. Exemple, je n'ai pas dans mon bureau, deux photos lors de l'élection du Bloc québécois. En octobre dernier, les députés m'ont demandé s'ils ne pouvaient pas acheter une photo de mon père puis les décorer. Alors, l'entente que j'ai prise avec Martin Champoux, un autre député du Bloc, ça a été de faire une édition limitée de deux photos. 32 députés, 32 copies de chacune des photos. Et le choix des photos que les députés ont fait, ça a été une photo qui est une des plus extraordinaires que mon père a pu faire. Là. C'est les trois grands de ce bas monde-là là, qui sont Deschamps, Yvon Deschamps, Félix Leclerc et Gilles Vigneault. Une photo qui a été prise à l'île d'Orléans en 1974 pour une publicité pour le journal Le Jour. Alors, il y a cette photo-là qui est en édition limitée. Il y en a une vingtaine, 25, je pense, que les députés ont acheté. Puis, il y en a une autre qui est une photo de René Lévesque que Jean-François va reconnaître quand je vais la décrire probablement. René Lévesque qui est à l'inauguration d'un barrage et qui pointe devant le barrage. Et on a le fils de René Lévesque qui est tout petit, évidemment, à l'époque, 6-7 ans peut-être, et qui est là, qui regarde en direction de ce que son père... Bon, alors, ça, c'est une édition limitée. À l'intérieur de la page, je trouverai le temps, à un moment donné, de les rendre disponibles et accessibles à tout le monde. Puis, deux autres éditions limitées que j'ai faites pour le plaisir. Une lors d'une exposition que j'ai montée là, avec le Musée national de la photo il y a 2 ans, la dernière grosse exposition et la plus belle exposition, d'ailleurs, de l'œuvre de mon père, là. Où on avait, je pense, une centaine de photos sur papier, sur métal brossé, en tout cas, quelque chose de très, très bien. J'ai fait une édition limitée avec une dizaine de photos qui seront aussi disponibles, qui étaient disponibles, qui en restaient souvent disponibles sur le site. Mais votre question, M. Hull. Donc, ce que j'apprends, c'est que, il vient d'un milieu relativement modeste, mais il semble y avoir quand même beaucoup d'amour. Au Québec, c'est souvent le cas. Il y avait un oncle qui était quand même un ecclésiastique. Et donc, il y a deux choses qui m'ont marqué. Donc, le contact avec cet oncle m'a permis là, d'utiliser ses propres techniques de photo. Et il dit qu'il a été marqué par les religieuses. Et on sait qu'à l'époque, Dieu sait qu'on n'avait pas le droit de parler en classe. Et lui prétend que c'est à force de ne pas avoir le droit de parler qu'il a développé son œil et que finalement, il faut dire merci aux sœurs de l'avoir dressé. Donc, c'est comme l'œil qui se serait, je ne sais pas jusqu'à quel point il fait de l'humour avec ça, mais on est toujours le produit, n'est-ce pas, de notre éducation. Regardez, oui, il vient d'une famille plus que modeste, là. Mon père est pris entre 3 couples de jumeaux. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez cocasse. Là. Alors, 9 enfants qui sont apparus très, très rapidement quand on calcule que les jumeaux, c'est évidemment, ça permet d'accélérer une famille pas à peu près. Là. Alors, ma grand-mère est décédée très jeune. Il me semble qu'elle avait 31 ans, quelque chose du genre. Là.
Mon grand-père s'est retrouvé en pleine crise économique. Le grand-père était né en 1900, puis il est né en 1900. Bon. Bref, il s'est retrouvé avec cette trolley-là et malgré tout l'amour et l'aspect hyper familial qu'il pouvait avoir, il a été obligé de placer tout le monde. Il a été obligé de placer tout le monde et se trouver une petite jobine chez les sœurs. Il y a un couple qui a été placé chez une tante, etc. Lui a été placé chez les frères. Et il a grandi là, il a grandi. Il était là pendant plusieurs années jusqu'à ce que mon grand-père puisse se refaire tranquillement, pas vite, et récupérer un à un les enfants et tenter de reconstruire une famille avec tout ça. Là. Fait que oui, ça a été hyper, hyper modeste. Il y a un oncle qui est apparu dans le décor, vous avez fait mention, là, Georges Lédilet, l'abbé, c'est un prêtre séculaire là, qui a pris une place très importante et c'est lui qui a fait découvrir la photographie à mon père. Il y avait un petit laboratoire et c'est là que mon père, en bas âge, je pense qu'il avait 8 ans, a eu ses premiers contacts là, avec du papier photographique puis des acides et compagnie. Là. Ouais. Et puis là, il est rentré dans l'armée, pas parce qu'il se sentait particulièrement belliqueux, mais parce qu'il a vu qu'il y avait des possibilités de faire de la photo, en tout cas peut-être pas tout de suite, mais on sait que c'est quand même là qu'il va développer son talent. À l'époque, il a commencé par faire un cours de photographie par correspondance. Un organisme quelconque à New York qui donnait ça, puis c'était pas satisfaisant pour lui. Et à l'époque, il y avait un endroit qui avait de l'allure au Canada où on pouvait se former en photographie. Puis c'était pas une école secondaire ou quoi que ce soit de genre, c'était dans l'armée, un cours dans l'aviation qui se donnait. C'était un cours, tout ce qui est le plus sérieux au monde, c'était tout ce qui était le plus pertinent. Alors oui, il est embarqué dans l'armée, mais c'est donc pas le genre à fonctionner dans l'armée. Mon père, c'est une tête d'artiste, là, un hyperactif et un artiste qui n'a rien à voir avec l'armée. Et c'est assez rigolo parce que moi, une de mes champs de compétences au Bloc québécois, ou un de mes dossiers plutôt, c'est les anciens combattants. Ça me fait un petit peu rigoler pour moi. Alors, mon père a fait son cours dans l'armée. Mais ça ne s'est pas fait sans embûche parce que puisqu'il ne fit pas tout à fait dans le décor, il s'est retrouvé au trou à deux reprises là, pour diverses raisons. Là. C'est pas son monde. Il réagissait fort face à ce type de fonctionnement-là, face à ce type d'ordre-là. Et bon. Et puis là, ce que je retiens de cette expérience, c'est que ça se passait uniquement en anglais. Finalement, c'est là qu'il a découvert sa conscience nationaliste parce que ça le scandalisait particulièrement de recevoir des ordres en anglais. Il disait même, on nuisait même aux francophones. On ne pouvait pas concevoir qu'un francophone avait du talent. On pouvait monter dans la hiérarchie. Ça ressemble aux propos de Gordon, là, du Canadien national, qui avait dit les Québécois, les francophones... À l'époque, il n'y a pas de monde assez talentueux pour être sur le comité de direction du CIEM. Donc, ce n'est pas pour rien. Là, on parle de la crise d'octobre, de toutes sortes de conflits. Donc, votre père a vécu ça intensément, ce sentiment d'aliénation. Oui, mais je vous dirais que c'est pas juste dans l'armée. Ça a précédé. Mon père a eu un père qui a toujours été hyper, hyper, hyper nationaliste. Donc, il a baigné dans ces eaux-là. L'armée, ça n'a pas été aidant. Moi, je me souviens de propos là, du genre, à un moment donné, un examen, il y a deux francophones qui sortent des normes en termes de résultats. Et pour le sergent d'armes, c'est clair qu'il y avait eu tricherie et c'était pas normal. Là. Alors, ils ont été rencontrés, on les a questionnés pas à peu près parce que c'était des francophones. Mais oui, il y a eu des prises de bec à quelques reprises parce que devant quelqu'un de l'armée qui s'exprime très, très bien en français, on le sait, et qui est québécois, mais qui refuse de te dire un mot en français. Bon, mon père parlait très bien anglais, c'était pas ça le problème, mais par moment ça aurait pu être justifié. Mais il a vécu des problèmes du genre comme bien d'autres Québécois. Là. Il a travaillé à Canada, ça a été des prises de bec réguliers avec ses employeurs là, qui refusent de s'exprimer en français alors qu'on sait très bien qu'il maîtrise très bien le français. Bon, des raisons X, Y, Z. Monsieur Nadeau, à votre tour, comment vous êtes entré en contact avec Antoine?
D'abord, moi, je trouve ça toujours très étrange. Je comprends qu'on parle à des étudiants que je ne vois pas. J'espère qu'ils sont nombreux, qu'ils ne s'emmerdent pas trop et qu'ils vont être capables de poser des questions le temps venu. Moi, je suis rentré en contact avec Antoine Desilets par mon métier. Pour gagner ma vie, je suis journaliste, mais j'ai toujours une grande passion pour la photographie. Puis, il me semble que la photographie, enfin, il ne me semble pas, c'est la vérité. C'est une bonne façon de comprendre une société. Un photographe, ça n'existe pas en apesanteur, ça ne flotte pas sur une pellicule tout seul. Alors, quand on dit effectivement que les tirages, on appelle ça comme ça, un tirage, une impression d'une photographie d'un grand photographe, qui ne sont pas nombreux, dans le cas d'Antoine Desilets, ça n'a pas été en tout cas relayé par la machine que sont les galeries d'art, ça dit aussi quelque chose sur notre société, ça. Antoine Desilets, dans sa photographie, on a l'homme, mais on a aussi le monde social dans lequel il est. C'est-à-dire qu'au début des années 60, il y a une accélération de notre appétit pour les images. Aujourd'hui, on le voit chaque année, en 2020, là, je ne me souviens plus, mais il y a des projections. On est en milliards de photographies qui vont être produites au cours de l'année, avec votre téléphone, avec des appareils numériques, avec les ordinateurs où on se prend en photo dans des opérations qui sont celles qu'on est en train de produire, par exemple, aujourd'hui. Donc, il y a une accélération du nombre de photographies. Si vous regardez les premières photographies qui sont prises dans l'histoire de la photographie, donc 1839-1840, c'est l'apparition de la photographie. Dès l'automne 1840, on a cette invention-là qui vient d'apparaître en France là, par le monsieur Daguerre, les daguerrotypes, comme on les appelle. Il y a déjà quelqu'un ici qui a un appareil qui commence à faire des photos. Alors, si vous voulez voir tout ce qui a été produit en photographie dans l'année 1840, à condition que les photos n'aient pas été perdues, parce qu'un certain nombre ont été perdues, vous pouvez assez facilement réunir ça dans un livre. Aujourd'hui, oubliez ça, bien sûr. Alors, vous avez plus de chances au début du 20e siècle comme photographe de voir vos photographies se distinguer de la masse qu'aujourd'hui où vous avez des milliards de photographies qui se dessinent. Alors, Antoine Desilets a ceci de particulier que dans les années 60, il commence à y avoir une démocratisation de la photographie. Il y a des appareils qui sont plus petits, qui sont plus simples, qui sont plus faciles à utiliser. Il y a la pellicule 35 mm que vous pouvez glisser dedans très facilement. C'est, au fond, un héritage de la pellicule d'Hollywood. Hein? La pellicule qui est dentelée de 35 mm, à l'origine, c'est une pellicule qui est utilisée pour le cinéma. Alors, si vous pouvez la mettre dans une petite bobine, dans un petit appareil, ça devient beaucoup plus simple. Et Antoine Desilets accompagne un mouvement social qui est un mouvement nord-américain puis européen aussi, où vous pouvez désormais acheter assez facilement un appareil photo et participer à une culture de l'image. Ça fait la civilisation occidentale, c'est une civilisation qui est beaucoup fondée sur un rapport à l'image. On le voit, par exemple, dans les enluminures du Moyen Âge, hein, où tous les dessins autour des livres que les moines recopient patiemment sont colorés, sont dessinés, sont vivants et tout ça. Et au 20e siècle, on retrouve ça, les gens ont désormais la possibilité d'accéder à une machine à faire des images eux-mêmes. Ils peuvent créer des images de leur propre vie et les créer autour. Alors, Antoine Desilets, dans ses livres, il va proposer aux gens des techniques de base importantes pour réussir à réaliser mieux des images qui conviennent à l'idée qu'on a des images. C'est quoi un bon cadrage? C'est quoi une bonne exposition? C'est quoi la profondeur de champ? C'est quoi qui fait que si vous prenez en contre-plongée, en plongée, vous changez l'effet de quelqu'un? Quels sont les effets, par exemple, qui peuvent être mis à profit dans des chambres noires? On a oublié ça aujourd'hui, mais beaucoup, beaucoup de Québécois dans les années 60 vont, à partir des années 60, vont avoir comme loisir la chambre noire. C'est-à-dire que dans un garde-robe de la maison, avec un petit tuyau d'eau puis un bac, on va réussir à créer un espace où on peut développer ses propres photos. Alors, c'est un loisir à part entière. C'est de la même façon qu'à l'époque, on trouve des collectionneurs de timbres ou des numismates, des collectionneurs d'argent. Bien, on trouve des gens qui vont faire de la photographie. Il y a des clubs de photos qui grandissent aussi. C'est une immense popularité de ça. Et Antoine Desilets est celui qui accompagne ça. Maintenant, Desilets lui-même, comment on peut le situer là-dedans? Il est là...
les mêmes capacités techniques, le même talent, le même œil que de très grands photographes de l'époque. Il ne vient pas du même milieu. C'est un rieur. On le voit dans ses photos. Luc disait tout à l'heure, il y a un espace, il y a une volonté, il y a une vie, il y a une dynamique. C'est un... Mais il est comme ça dans la vraie vie aussi. C'est quelqu'un qui est joyeux, qui est curieux, qui va vite. Et il est tout à fait dans l'esprit de sa propre photographie comme individu lui-même. Si vous comparez Antoine Désilets à Henri Cartier-Bresson, qu'on appelle l'œil du siècle, hein, c'est probablement la référence pour la photographie dite humaniste, le rapport à l'humain, à ce côté particulier de l'existence humaine qui se trouve aussi dans la photographie de Désilets. Ben, dans son cas, à lui, c'est un Français né en 1908. On a affaire à un fils d'une richissime famille qui possède des usines, des bobines de fil, on en trouve encore aujourd'hui, des fils Cartier-Bresson. C'est des gens qui sont souvent très, très riches, alors qui ont les moyens d'acheter un Leica, qui est un appareil photographique qui est nouveau à cette époque-là, mais qui coûte très cher, les lentilles qui vont avec, qui vont s'engager dans l'idée d'avoir des tireurs, des gens qui, dont la fonction sert essentiellement à imprimer ses propres photos. Désilets, il fait tout lui-même, puis il doit travailler. Mais pendant très longtemps, jusqu'aux années 60, l'idée d'avoir un tirage photographique, ça valait rien. Hein? Les tirages sont d'ailleurs assez gris. Quand vous regardez dans les archives des journaux du Québec ou d'ailleurs, les tirages sont très peu contrastés. Ce n'est pas des images qu'on apprécierait aujourd'hui sur nos murs parce qu'à l'imprimerie, on a besoin de tonalités de gris qui sont plus près les unes des autres pour pas que ça bouche. Hein? Alors, si vous voulez imprimer une photo, et la plupart de ces photographes-là travaillent pour la presse, travaillent pour les journaux, il faut que ça soit des photos qui sont assez ternes. Alors, si vous vouliez avoir une photographie dans les années 50 ou les années 40 de photos qui se vendent aujourd'hui, 50, 60, 100 000, 200 000 $ pour un petit tirage, probablement que le photographe vous l'aurait donné parce que de toute façon, elle s'en allait à la poubelle, cette photo-là. Hein? Ce n'était pas quelque chose qui avait en soi une valeur. La valeur était dans le négatif, dans le tirage, dans le travail qui avait été fait. Et ben, ça, comme tous les photographes, d'ici comme d'ailleurs, il faut reconnaître chez Désilets une extrême générosité. Si vous allez chez Gabor Silasi aussi, qui est un photographe très connu, qui est toujours vivant, qui est quasi centenaire aujourd'hui, les Postes du Canada lui ont consacré un timbre récemment, là, ben, il y en a des boîtes de photos. Si vous êtes intéressé à la photo, puis vous allez chez Gabor, ben, moi, ça m'est arrivé déjà. Il a dit, ben, ça t'intéresse, Jean-François, prends-la la photo. Parce qu'il dit, les gens qui veulent payer 10 000 ou 50 000 $ on leur laisse faire, mais on les laisse faire. Mais si vous aimez vraiment la photo, en soi, c'est autre chose. C'est un langage avec lequel vous échangez. Au fond, la photographie, c'est une façon d'écrire la vie, d'écrire sa propre vie, d'écrire celle des autres aussi, mais non pas avec de l'encre et du papier, mais avec de la lumière et du papier. Hein. Au fond, un appareil photo, ce n'est pas grand-chose. Un photographe, là, sa vie, c'est quelques secondes, au fond. Parce qu'une photographie, en général, c'est 1/125e de seconde. Hein. Pour figer quelqu'un dans un instant, il faut fractionner le temps. Et l'appareil photo, c'est ça qu'il fait. C'est une machine à trous qui fait « cloc ». Dans 1/125e de seconde, vous ne bougez plus. Alors, ça vous prend 125 photos, comme ça, pour faire une seconde. Alors, 125 très bonnes photos dans la carrière d'un photographe, c'est déjà beaucoup de choses. Donc, un très, très grand photographe, au fond, si on veut être un peu cynique, on dit que sa vie, ça dure peut-être 3 ou 4 secondes. Hein? C'est le talent d'avoir capté l'instant décisif, disait Cartier-Bresson. Alors, le grand apport de Désilets ici, c'est de nous avoir ouvert les yeux, sans jeu de mots, à l'idée qu'on avait ici aussi la possibilité d'avoir une tradition photographique qui était intéressante en s'arrimant aux photojournalistes. Il y en avait avant des photojournalistes au Québec, il y en a eu quelques-uns. Leurs archives ont été jetées la plupart du temps. Il n'y avait pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Hein? On a quelques photographes dans les années 30, quelques photographes dans les années 40. Certains sont pas mal, c'est intéressant, mais leur travail est un travail strictement alimentaire. Il n'y a pas une dimension supérieure à leur photographie où ils sont preneurs d'une idée aussi qu'ils vont transposer dans la pellicule, ce qui est vraiment le cas chez Désilets aussi. Il y a cet arrimage à la politique d'abord. Hein. Dès les années 60, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de changer au Québec, qui est important
de documenter et d'accompagner aussi. Il va se retrouver au sein d'un mouvement qui s'appelle le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, qui est un parti qui est fondé le 10 septembre 1960. Ce n'est pas d'abord un parti politique, c'est un mouvement de pression qui va se changer en 63-64, qui va se muter en un parti politique qui va être présent en 1966 à l'élection. Ce mouvement-là est intégré à un mouvement, un autre mouvement qui s'appelle le Mouvement Souveraineté Association, le MSA, qui va donner naissance au Parti québécois, qui est fondé par René Lévesque. C'est une scission du Parti libéral avec des indépendantistes d'un genre particulier qui vont s'unir ensemble pour faire le Parti québécois. Et Desilets accompagne aussi ce mouvement-là. Alors, ce n'est pas tout d'être un photographe et d'avoir un œil, mais il faut aussi avoir quelque chose à dire. Sur ce plan-là, il a quelque chose à dire et il va le dire longtemps à sa façon. On reconnaît une photographie de Desilets de la même façon que quand on entre dans un musée, avant que vous marchiez jusqu'aux petits cartels, là, les petits cartons qui sont à côté des toiles des artistes, qu'on appelle des cartels. Vous n'avez pas besoin, quand vous entrez dans une salle, de loin, vous savez, ah, ça, c'est un Picasso, ah, ça, c'est un Mondrian, ça, c'est un autre tableau de maître. Ben, de la même façon, on reconnaît dans la photographie de Desilets un Desilets. Alors, la photographie, en général, on a encore ce problème-là aujourd'hui, on a l'impression qu'une bonne photo, c'est le sujet qui est sur la photo qui fait la photo. Alors, une photo de, je ne sais pas, Mick Jagger des Rolling Stones ou de qui vous voulez, ce n'est pas en soi une photo qui est intéressante. Ce n'est pas le sujet qui fait la photo. C'est la projection du photographe dans son sujet. Alors, vous pouvez prendre toutes sortes de photographes avec un même sujet et obtenir des choses très différentes. Il y a une actrice française que j'aime beaucoup qui s'appelle Isabelle Huppert. Isabelle Huppert est une passionnée de photographie depuis le temps où elle a commencé jeune actrice, hein, elle a commencé au cinéma, elle avait, je sais pas, 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça. Elle s'est fait prendre en photo par toutes sortes de très grands photographes. Ils ont fait un livre avec ça. C'est toujours Isabelle Huppert. C'est toujours le même sujet. Elle ne change pas. Et pourtant, on reconnaît à chaque photo qui l'a fait. C'est Helmut Newton, c'est Doisneau, c'est Cartier-Bresson, parce que chacun, en elle, transpose leur propre sentiment de ce qu'il voit dans cette femme-là. Alors, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que Desilets réussit à faire aussi. On a ce côté joyeux, Luc l'a bien expliqué tout à l'heure, qui est très évident dans ses photographies, ce côté militant aussi, dont je viens de parler à l'instant, ce côté curieux aussi. On voit que c'est quelqu'un qui est attentif à ce qui se passe autour de lui. Parfois, des choses très, très simples, mais il voit. Il réussit à voir dans des cadrages plus grands que ce que le cadrage permettrait de voir à un œil particulier. Je me souviens qu'il m'avait raconté, et je pense qu'on l'a dans le livre, Luc, mais tu me corrigeras, une scène où il passe en voiture. Il a effectivement, comme d'habitude, son appareil photo avec lui sur le siège à côté. Et il y a quelqu'un qui est dans un arbre, qui est en train de faire des travaux d'émondage. Donc, il est en train de couper une branche. Il est dans une si fâcheuse position que immédiatement le photographe se dit « ce type va se tuer ». Il met l'auto sur le côté et effectivement, le type tombe et immédiatement, la photo est prise. Alors, il y a une espèce d'acuité du réel qui est là, qui est très, très importante, qui est fantastique, alors, qui est la marque des grands photographes aussi. Alors, je ne sais plus c'était quoi la question, mais ça va être ça la réponse. Vous avez longuement développé sur Henri Cartier-Bresson, puis là, vous venez de prononcer le nom de Robert Doisneau. Effectivement, Doisneau est peut-être plus proche au niveau de l'humour et que Bresson, qui est plus froid, non? Ou peut-être ajouter un détail sur Doisneau et... Doisneau, Cartier-Bresson... Tous les photographes des années 50, on l'oublie aujourd'hui, on regarde ça avec le petit doigt en l'air puis une coupe de champagne en disant « oui, c'est des tirages qui valent 20 000 $, 100 000 $, 200 000 $ qui sont vendus à des gens qui sont très, très fortunés. » Ce sont au fond des gens très simples, tous qui ont tous une position politique assez précise, ils sont tous assez libertaires, ils sont tous assez anarchistes, très libres dans leur façon d'envisager le monde. Et dans le cas de Doisneau, il a fait des mémoires qui s'appellent « À l'imparfait de l'objectif »,
il est vraiment dans un rapport amusé au monde. Ce sont des gens qui sont curieux. Ils vont dans des endroits où ces gens qui se payent leurs photos aujourd'hui ne sont jamais allés, ils n'iront jamais. Alors, toute la photo humaniste française, c'est essentiellement la capacité de ces gens-là d'aller voir au pourtour de Paris, dans l'univers que fréquente, par exemple, un chanteur comme Georges Brassens, qui est ami de tous ces gens-là. Il chante la banlieue de gens qui sont assez pauvres, qui sont déshérités, qui sont des gens du monde ordinaire, du monde populaire. Et c'est ça en quoi, en général, les photographes triomphent. C'est exactement le cas de Desilets aussi, qui est un photographe populaire de gens de la vie de tous les jours. Et c'est là-dedans qu'il se reconnaît. Il se promène d'un endroit à l'autre dans la ville et la ville lui appartient. Et c'est parce que la ville lui appartient qu'aujourd'hui, ces photos nous appartiennent. C'est pas un photographe guindé du tout. Et ces gens-là, même en Europe, qui font un peu leur marque aussi, mais il y en a d'autres aux États-Unis aussi, c'est le même univers. Hein? C'est la grande tradition de la photographie humaniste en Europe, mais qui existe ici aussi, qui est anticipée, par exemple, par un photographe américain qui s'appelle Louis Hines, qui est un humaniste qui va se promener. Lui, il va faire quoi? Il va se promener au début du 20e siècle, il va faire des milliers de photos des usines où les enfants sont forcés de travailler. C'est assez amusant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, on trouve dans les archives à Washington beaucoup, beaucoup de ces photos. Alors, il a écrit le nom derrière patiemment des enfants qui photographient, qui ont 8 ans, qui ont 10 ans, qui travaillent dans des usines de coton. Tu vois, là, très, très belle photo. Hein? Ces gens-là, ils font un travail où l'art est au service aussi d'une cause. Ils ont compris que l'esthétique, c'est comme un roman. Le sujet n'a pas forcément d'importance, c'est la façon de l'écrire. Hein? Si vous lisez En attendant Godot, le livre le plus vendu de Beckett, de Samuel Beckett, ben, il ne se passe rien dans ce livre-là. C'est l'écriture qui fait l'action. Ben, c'est la même chose un peu dans les photos. Dans le cas de Louis Hines, par exemple, là, ce que j'allais dire, c'est que quand il écrit derrière ses photos, on voit aujourd'hui souvent, c'est écrit Job Bouffard ou quelque chose comme ça. Alors, on comprend que c'est beaucoup de Canadiens français qui étaient exilés aux États-Unis dans les usines de la Nouvelle-Angleterre. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Canadiens français. Entre 1880 et 1930, il y a 900 000 Québécois qui sont partis vivre aux États-Unis pour essayer de ne pas mourir de faim dans les terres de misère qu'on leur avait laissées au Québec. Et bien, beaucoup de ces gens-là se retrouvaient dans des usines, des factories, comme on appelait. Et Louis Hines en a photographié beaucoup. Alors, on va reprocher à des photographes comme ça leur position. Quand il va mourir, Louis Hines, ses photographies sont données à la New York League of Photography. La CIA va se saisir de ces photos et en détruire plusieurs parce qu'ils trouvent que c'est subversif. Hein? L'image est devenue subversive. Le fait de présenter le réel est considéré comme quelque chose d'insupportable. Donc, des enfants qui travaillent, Canadiens, Français ou autres, le fait de les avoir photographiés, c'est jugé révolutionnaire. Alors, il y a chez les photographes un certain enthousiasme qui tient à la possibilité que par leur art, ils vont réussir à changer des choses. Et je pense qu'il y a ça chez Desilets aussi. C'est ça son engagement politique. Il dit « Moi, je suis un photographe, je suis un artiste, je suis capable par mes images de laisser entendre quelque chose, une certaine idée de la société qui nous entoure. » Il y a ça de façon très, très évidente, par exemple, dans les photographies de campagne électorale qu'il va prendre de Pierre Bourgault. Pierre Bourgault est un orateur extraordinaire. Il parle bien, il parle beaucoup et il est très dangereux pour ceux à qui il s'adresse. Mais sur les photos que Desilets prend de lui, et ils sont nombreuses, il ne parle pas. On ne l'entend pas sur les photos. Pourtant, on l'entend. On le voit bien qu'il est actif. On voit bien qu'il y a quelque chose d'une certaine énergie qui se trouve dans la photo et qui est traduit dans la photographie. Puis il y en a d'autres, des photos de Bourgault, qui sont très, très plates, qui sont prises par d'autres personnages. Ben, il est conscient de ça, et Luc pourra le corriger, je pense que son père est absolument conscient de la capacité du photographe à projeter une image. C'est une façon d'envoyer une image. On pourrait parler, bien sûr, votre thématique, c'est la crise d'octobre. Moi, je suis assez fasciné de voir, par exemple, qu'à chaque fois qu'on parle de la crise d'octobre, il y a au fond très peu d'images qui nous sont accessibles de ça. On a célébré cette semaine, je pense que c'est le 70e anniversaire
de la prise de Budapest. Hein? C'est ce que c'était cette semaine, ça, il me semble que j'ai vu ça passer. Donc, par les chars d'assaut soviétiques dans les années 50. Il y a beaucoup de photographes à ce moment-là qui vont prendre des photos de ça. C'est le cas, par exemple, de Joseph Koudelka, qui est un très grand photographe, dont ces photos-là ont marqué le début de la carrière. Nous, curieusement, il y a aussi un moment dans l'histoire, il n'y a pas de mort, il y a des arrestations nombreuses. Hein, ben, il y a un mort parmi une des deux personnes qui sont enlevées par le Front de libération du Québec. Mais on a, au fond, assez peu de photographies. Il y a dû y en avoir plus que ça, mais au fond, c'est Antoine Desilets qui a une conscience qu'il est en train de se passer quelque chose, qui photographie ça, qui les garde, qui les archive, qui fait en sorte qu'on puisse les voir à nouveau. Je suis sûr que ce n'était pas le seul, mais c'est le seul qui avait assez de conscience pour voir que ce qui se passait là, ça allait durer et que ça avait une importance. Alors, aujourd'hui, presque tout le temps, quand on veut parler de cette période-là, c'est des photos de lui qu'on voit. Hein? Et c'est ça pour plusieurs autres événements. Ça, c'est pas inintéressant aussi. C'est pas qu'il est tout seul, mais il pense son travail d'une façon probablement différente des autres. C'est pas pour rien qu'il se sent pas malheureux à l'idée d'apporter en vacances, en auto, presque dans son lit, son appareil photo. C'est pas son travail, c'est sa vie même, au point où, au moment où il est mort, il va être enterré avec son appareil photo. Très intéressant ce que tu dis. Si vous me permettez, juste... une nuance que mon père faisait, puis j'ai fait référence, Jean-François, puis je trouve ça important. Une bonne photo, puis une belle photo. Une belle photo, plein de gens sont capables de la faire aujourd'hui. Ça va être calibré en termes de lumière. Bon, le cadrage, c'est autre chose, puis prise de vue. Bon. Mais la belle photo, tout le monde peut la faire. La bonne photo, c'est celle-là qui se distingue. Puis elle se distingue quand on est photographe de presse. Je ne suis pas photographe de presse, mais pour les photographes de presse, de par le tout petit plus. Le petit plus, c'est chez certains photographes, cette espèce d'instinct-là. C'est cette espèce de curiosité. J'aime beaucoup quand tu parles de curiosité parce que mon père était, quand je disais un enfant, curieux comme un enfant. Curieux comme un enfant et observateur comme 50 à la fois. Tu faisais référence à l'incident tantôt, il est presque accident. Tu as une excellente mémoire, c'est presque ça. J'étais dans l'auto, moi, il arrivait de s'acheter un paquet de cigarettes. Mon père arrivait de s'acheter un paquet de cigarettes, on était quatre dans l'auto, ma mère était là. Puis il sort du dépanneur, puis le gars lui parle, il lui dit, là, dans l'arbre, autour de là, tu vas te faire tuer. Mon père rentre dans l'auto, il dit que c'est lui qui n'a pas l'air sécuritaire pour Saint-Saëns, c'est lui qui va se tuer. Et on part et on entend un boum. Le gars venait de tomber. Bon, ma mère nous cache les yeux, il ne faut pas voir ça. Mon père sort de l'auto, évidemment, et va photographier la scène. Mais tu sais, c'est un paquet de... C'est de voir... La bonne photo, c'est de voir ce que le commun des mortels ne voit pas ou ne prend pas le temps de voir. Il y a d'autres situations où, tu sais, il se promenait à un moment donné sur... C'est une photo que tu reconnaîtrais aussi, Jean-François, peut-être, là. Il se promène sur Peel, je pense. Il est avec deux, trois autres photographes et un journaliste. Puis il y a une flaque d'eau par terre. Bon, l'édifice d'Hydro-Québec se reflète là-dedans. Symbole, eau, bon, etc., etc. Pour lui, il y a quelque chose. Fait qu'il fait deux, trois pas, puis il dit, vous n'avez rien vu, il n'y a rien qui vous intéresse dans Titata. Puis il revient, puis il prend cette photo-là. Tu sais. Sa vie, ça a été ça, de chercher à maximiser tout ce qui était possible de voir, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il ne voyait pas, il le cherchait. Et un des exercices qu'il faisait avec moi, c'était de me prendre. On était ensemble, mettons, là. Puis ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, qu'est-ce que tu vois? T'as 12, 15, 20 ans. Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu sais, quand je dis maximiser, là, il y a toujours dans sa tête, puis dans la tête des bons photographes, c'est comme ça aussi, l'idée de trouver l'angle approprié, de trouver l'objectif approprié. Faire avec un objectif normal, 50 mm, là, qui reproduit exactement ce qu'on voit. Puis faire avec un téléobjectif, c'est autre chose. Tu sais, il y a une compression qui va se faire avec le téléobjectif. Avec le grand angle, bien, il y a une petite déformation. Alors, tu vois ça, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu as tous les objectifs possibles du monde. Là, bon, il y a ses affaires. Mais c'est ça, c'est de parce qu'il y a dans tout, avec tout, on peut faire quelque chose d'intelligent.
avec le crayon, si je m'en vais avec de la micro, je vais trouver quelque chose d'intéressant, ou je vais prendre une photo qui va au moins questionner celui qui va la regarder. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Je comprends que ça a été hyper amplifié, mais bon, et ça aura peut-être une petite symbolique. Jean-François, tu disais aussi autre chose, et c'est important pour moi, c'est mon père a exprimé sa vision du monde, mais on pourrait penser à la période d'Hitler, là. On pense ça avec des pincettes, là, à la période d'Hitler, où Hitler a fait une campagne puis une cabale qu'on connaît assez catastrophique, mais où l'image avait une force énorme et Hitler accordait une force importante à l'image. J'aime pas le parallèle, là, mais simplement si on retourne 75 ans en arrière là, quand je lance ça. Mais le pouvoir de l'image, mon père y a toujours cru et c'est effectivement pas juste dans des photographies un peu sensationnelles ou sensationnalistes, mais surtout dans l'utilisation du pouvoir de la photo avec des politiciens. Bourgault, ça a été un excellent exemple parce que mon père a connu Bourgault au journal La Presse. Là, et ils ont eu à travailler ensemble comme journaliste et photographe pendant plusieurs années. Donc, il est rentré un petit peu dans l'intimité. Puis Bourgault, ça a été... En tout cas, une certaine période de sa vie, un ami de mon père, là, il y a eu des distances par après, mais un ami de mon père. Bref, quand tu côtoies un gars comme Bourgault, puis tu entres dans sa vie, bien, c'est clair qu'il y a des situations qui sont à exploiter, puis il y a d'autres situations qui sont à créer. Il en a créé des situations, mais on parlait de Doisneau. Doisneau a été beaucoup un faiseur d'images, entre guillemets, c'est un grand photographe. Mais où il faisait des setups de ses photos. J'ai rien contre ça du tout. Mon père en a fait énormément. Mais c'est dans ce calibre-là. Tu parlais d'Henri Cartier-Bresson, ça a été, c'est probablement l'idole de mon père. Mon père a eu l'occasion, je ne veux pas trop vendre mon père, là, mais mon père a eu l'occasion de faire une exposition avec Henri Cartier-Bresson en 1968. En 1967, Expo 67, Terre des Hommes par après. Et le pavillon de la France a fait une exposition conjointe désignée Henri Cartier-Bresson. Ça a été un moment vraiment fabuleux parce que Cartier-Bresson, c'est un dieu. Mais le pouvoir de l'image, c'est tellement important et c'est tellement sous-estimé. Bref, c'est assez. Pour m'ouvrir une porte, Luc, sur Henri Cartier-Bresson, j'ai vu dans le livre, évidemment, je n'ai pas fait un doctorat encore là-dessus, là, mais qu'un des critiques qui a lu l'expo a même considéré même que votre père avait des photos plus intéressantes même que Bresson. En tout cas, il s'accotait, on va au moins dire ça. Hein? Ben, il s'accotait, peut-être qu'il s'accotait plus intéressante. Moi, je n'irais jamais. C'est deux styles qui sont difficilement comparables, là, deux styles. Non, ce n'est pas pareil, puis ce n'est pas en termes de calibre, c'est deux grands. Donc, je dirais, c'est simplement deux grands avec les forces qu'ils ont. Mais ça a été une exposition extraordinaire. J'étais enfant et je m'en souviens. Parce que mon père avait eu comme la carte blanche à cette époque-là pour faire des agrandissements comme il voulait. Puis il a beaucoup exploité pendant l'Expo 67 le fisheye, qui est un objectif. Je ne me souviens plus, Jean-François, c'est du 5 mm, 6 mm, 8, je ne sais plus, mais en tout cas... 8-6, bon, qui est comme un grand angulaire, vous savez, ça recule. Ça vous donne une perspective de loin, tout est évasé, vous voyez large, bien, le fisheye, ça devient plus extrême, puis ça fait en sorte que tout devient rond. C'est une photo ronde que ça vous donne carrément. Alors, il a exploité énormément avec des photographies de pavillons, dont le pavillon des États-Unis. Alors, ça donne, tu sais, perspective de 100 ans. Ils ont fait des agrandissements, des pans de murs avec des photos. C'était une salle gigantesque, mais tu sais, des photos gigantesques. Alors, c'était difficile de comparer avec Cartier-Bresson. C'est pas la même game. C'était en termes de qualité, en tout le moins, on reconnaissait que c'était... D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a eu un livre qu'il a réalisé sur Terre des Hommes. C'est plus moi qui ai réalisé un livre. Là, dans... c'est pour les 50 ans de Terre des Hommes, là, qui est paru il y a 3 ans. Là. Bon. Un livre, c'est 50 anecdotes, histoires connues, peu connues sur Terre des Hommes. Et effectivement, par contre, j'ai évidemment utilisé les archives de mon père. Là. Il est meublé. De bon nombre de photos de mon père. La majorité des photos sont des photos de mon père, effectivement.
Et oui, quand Jean-François disait tantôt exploiter, comme il l'a fait avec le PQ, quand tu sens que tu es dans un moment de l'histoire, ça a été ça avec le FLQ, puis bon, il en a fait un paquet. Quand il était avec l'aérienne, il était dans un moment de l'histoire, il devait se passer quelque chose, c'était clair, clair, clair. C'était la même chose avec l'Expo 67. Vous allez me dire, c'est facile, exposition universelle, puis tout ça. Mais sa passion faisait en sorte qu'il finissait de travailler à la presse à 4-5 heures le soir, là, l'après-midi, et il avait l'autorisation de quitter pour aller à Terre des Hommes. Il finissait plus tôt pour aller à Terre des Hommes. Okay? Donc, il s'est libéré comme ça des 3 jours par semaine, des blocs de 4 heures, mettons, 4-5 heures, pour aller faire de la photographie sur le site de Terre des Hommes. Alors, il y a des milliers de photos de Terre des Hommes. Et pour lui, c'était un terrain de jeu, comme je l'écris dans mon livre. C'était un terrain de jeu parce que tout était là. La lumière, évidemment, les couleurs pour un photographe, les structures, l'architecture qui était complètement folle pour l'époque et tellement diversifiée. Alors, ça a été un terrain de jeu, effectivement, très, très, très intéressant et très passionnant. Oui. Jean-François, vous avez découvert l'œuvre d'Antoine avant de le rencontrer. Je vois dans le livre qu'on parle de 11 ans. Vous êtes dans le sous-sol chez un ami et là, il y a des livres. Et là, tout à coup, vous tombez là-dessus et déjà, ça vous a marqué. Oui, et en ce sens-là, je ne suis pas très, très exceptionnel. C'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer une maison au Québec. Enfin, il devait y avoir une maison sur 3 ou une maison sur 4 où il se trouvait un livre d'Antoine Desilets. Il avait presque un record de vente de livres. À ce moment-là, il était publié aux Éditions de l'Homme, qui est un éditeur populaire qui existe toujours. Et à partir des années 60, les journaux de l'univers de la presse, de d'autres de ce groupe-là, là, La Tribune, Le Nouvelliste, Le Quotidien, incluent dans leurs éditions de fin de semaine un TV guide, là, un guide de télévision. Et la quatrième de couverture, le dos du téléhoraire, c'est de la publicité qui est consentie aux livres des éditions de l'Homme. Ils ont fait ça pendant 30 ans ou à peu près. Et systématiquement, pendant des années et des années et des années, vous aviez toute la semaine à côté de la télévision, vous aviez le petit guide avec une photo de Desilets sur un de ses livres derrière. Plusieurs mois par année, vous aviez de la publicité qui vous disait « Ces livres-là sont importants. » Alors évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui les achetaient. Et ma famille, mon père, n'était pas différent de bien des hommes de sa génération qui découvraient à travers un art qui était considéré mineur, à travers la photographie, qui pouvait capter et d'une certaine façon s'approcher de leur vie familiale ou de leur famille tout en étant en retrait. Il y a quelque chose de très, très masculin des hommes de cette époque-là aussi, c'est-à-dire qu'on veut être là. On veut être témoin avec un appareil photo, mais on se protège, on se met derrière la lentille. Donc, on peut s'approcher des enfants qu'on n'avait pas jusque-là chez leurs parents. L'habitude, les pères n'avaient pas trop l'habitude d'être si près de leurs enfants que ça. Là, avec l'appareil photo, il y avait une capacité d'aller plus près. Alors, mon père avait un appareil Nikon F1, qui est un appareil pour l'époque qui est très important. Ma mère a failli le quitter parce qu'en 69... il était parti aller acheter ça à Boston avec un de ses amis, avec une lentille 50 mm 1.4. Il n'avait pas du tout l'argent pour acheter ce genre de choses-là. Il s'y a acheté ça. C'était à cause d'Antoine Desilets, c'est sûr. Et il s'est mis après ça comme professeur. Il a enseigné un peu la photographie dans des cours d'appoint là, qu'il devait donner pour compléter, j'imagine, son nombre d'heures par semaine. Il y avait des ateliers de photographie. Il s'est mis à faire de la chambre noire aussi. Évidemment, ça m'a intéressé. Jamais, quand j'étais petit, je ne pouvais être plus fier que quand j'avais le plaisir de transporter le Nikon de mon père, qui avait un appareil très lourd, qui m'apparaissait, quand j'étais petit, la très fine pointe de la technologie. Ça m'apparaissait être quelque chose d'extraordinaire. Bon, j'en ai un derrière moi aujourd'hui. Bon, ça vaut plus rien. C'est gentil, je le garde parce que c'est celui de mon père, mais bon, ça a beaucoup changé. Notre rapport à la photographie a changé aujourd'hui. Les gens font d'excellentes images avec leur téléphone, mais comme l'expliquait Luc tout à l'heure, et il a raison, son père, ce qu'il disait, hein, il y a une différence entre une belle photographie et une bonne photographie. Il a participé, lui, beaucoup à ce qu'on pourrait appeler l'éducation de l'œil. Hein. On a été éduqué à l'œil d'abord par la peinture pendant très longtemps, alors ce qui fait que beaucoup de photographes se voient comme des accompagnateurs
de peintre. Hein. Au début, les photographes ne se voient pas, ils ne se présentent pas comme photographes, ils se présentent comme opérateurs. Hein. C'est des opérateurs de machines qui jouent avec la lumière. Ils ne savent pas très bien d'ailleurs qu'est-ce qui se produit. Il y a une réaction chimique, mais ils ne savent pas, par exemple, que les bleus, les rouges ne réagissent pas de la même façon sur les sels d'argent, dépendamment des filtres qu'on va placer devant les objectifs. Alors, il y a toute une technique qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à découvrir. Puis comme les guides n'existent pas, ben on apprend en observant. Et ce que faisait Desilets, comme beaucoup, beaucoup de photographes, de très grands photographes, Gary Winogrand aux États-Unis, par exemple, c'est qu'il observait les magazines. Les magazines comme Life, par exemple, qui était le plus grand magazine du monde à l'époque, on avait beaucoup de photographies, beaucoup de photographes qui avaient beaucoup d'argent à faire leur travail à l'époque. On imagine mal aujourd'hui comment on pourrait payer aussi bien des photographes pour faire des travaux. Parce qu'avant le développement de la télévision, avant, par exemple, l'apparition de Radio-Canada dans les foyers en 1952 au Québec, c'est le magazine et c'est le radio, la radio qui existe pendant très longtemps. Et ça va se tenir, ça, jusqu'aux années 60, 70. Ça va être très, très fort. On a de l'argent pour les photographes, on a de l'argent pour leur donner des budgets. Et comme les compagnies qui fabriquent des appareils photo sont en pleine expansion, il y a un marché de la photographie comme on n'en a jamais eu. Là, chaque année, ça explose. Bien, les photographes deviennent de véritables vedettes. Par exemple, Antoine va devenir une sorte de faire-valoir pour le matériel Nikon. Hein. On trouve sa face sur les autobus de la ville de Montréal pour faire de la publicité pour des appareils. Évidemment, un photographe, ils ont tous leurs préférences. Là, pendant très longtemps, les photographes ont beaucoup apprécié les petits appareils Leica parce que c'était simple et tout ça. Mais vous donnez n'importe quel appareil à un photographe, il va vous en tirer quelque chose. Hein. Ce n'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est les circonstances. Hein. Ça reste une machine à trous. Alors, un trou qui dure 1/125e de seconde, qui s'appelle Pentax, qui s'appelle Nikon ou qui s'appelle Canon, ça reste 1/125e de seconde pareil. Là. C'est un peu la même affaire. Donc, il y a toute une espèce d'engouement qui va avec la consommation qui va favoriser essentiellement l'univers de l'image. Puis notre œil s'éduque aussi. Il s'éduque beaucoup avec le cinéma. On a des choses qui sont particulières qu'on découvre avec la photographie. Le sourire, par exemple. Si vous regardez les photos scolaires, la plupart d'entre vous qui nous écoutez, on va vous prendre en photo plusieurs fois dans votre vie pour faire les fameux cadres là, de finissant. La plupart du temps, on va vous demander de sourire. C'est très nouveau, ça, au fond, de sourire. Si vous regardez les photos, par exemple, de scolaires d'avant 1930, la plupart des gens ne sourient pas. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en général, les dents ne sont pas très bonnes dans la population. Il n'y a pas de soins de santé pour pour corriger vos dents. Et d'autre part, dans l'histoire de la peinture, le fait de sourire renvoie à l'idée soit de la bêtise ou de la légèreté. Hein. Si vous regardez des toiles, vous vous promenez au musée du Louvre, les gens qui sourient, ce sont soit des enfants, des simples d'esprit ou des prostituées. Hein. Ça renvoie à un problème de comportements sociaux. Alors, c'est la photographie, Hollywood en particulier, qui va changer ça, parce que les soins dentaires chez les vedettes américaines vont faire en sorte qu'ils vont commencer à montrer leurs dents. Alors, ça devient normal, par exemple, de montrer ses dents dans une photographie à partir des années 30, des années 40. Mais ça, là, le photographe, il le sait pas. Il est lui-même le reflet de sa propre société. Alors, une photographie, puis un photographe en général, dit beaucoup plus de choses sur le monde qu'il ne le croit lui-même. En général, vous prenez une photo, puis vous repassez vos négatifs plus tard, ou vos fichiers numériques, parce que c'est le cas aujourd'hui, puis vous dites « Ah, ben regardons ça, il y a ça dans ma photo, je n'avais pas vu ça, il y a ça aussi. » Ça, c'est intéressant, ça renvoie à autre chose. Et des fois, avec le temps, des photos qui ne nous apparaissaient pas très intéressantes maintenant prennent un sens beaucoup plus profond avec le temps. Par exemple, vous avez une photographie qui est assez célèbre d'un photographe hongrois qui vivait à New York pendant des années, étant plus ou moins en fin de vie, a photographié depuis sa fenêtre. Devant sa fenêtre, il y avait quoi? Il y avait les tours jumelles qui ont été percutées par deux avions le 11 septembre 2001. Et il a fait plusieurs photos où des pigeons passent près des tours. Évidemment, ils ont fait ça au début des années 70, mais quand on regarde ces photos aujourd'hui, ça donne un sens complètement différent. Donc, les colombes qui ont l'air d'être des oiseaux de la paix qui tournent autour de ces grands buildings-là qui sont aujourd'hui écrasés, ça a un sens complètement différent en termes de métaphore. Donc, la photographie, elle n'est jamais terminée. C'est au fond comme un classique
Une grande photographie, c'est un peu comme un classique de la littérature. Si vous lisez le Don Quichotte de Cervantes, hein, Don Quichotte, c'est un grand livre. C'est un grand livre au moment où il est publié déjà. Mais il est chaque année un peu plus grand parce que chaque personne qui le lit, qui est importante, qui fait un commentaire auquel s'accroche une partie de l'histoire de l'humanité sur ce livre-là, le grandit. On ne pouvait pas savoir que dans Shakespeare ou que dans Molière ou que dans Cervantes, il allait y avoir autant qu'on y trouve aujourd'hui parce que plusieurs couches de culture supplémentaires se sont accrochées à ces œuvres-là. Et c'est exactement la même chose, au fond, avec les grandes photographies, que ce soit celles d'Antoine Desilets, de Cartier-Bresson, de Gary Winogrand, de qui vous voulez, dans le fabuleux paysage de la photographie mondialisée. Avant de l'oublier, vous avez fait, vous êtes rapproché de Pierre Bourgault pour faire votre biographie. On peut y revenir aussi un peu parce que, bon, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'échanger avec Antoine là-dessus, puis peut-être même Luc, vous êtes un peu dans les mêmes âges. Mais il y a aussi, c'était pas clair dans la biographie, il aurait été candidat pour le parti Rhinocéros ou il l'a pas fait ou juste demandé, l'un des deux peut confirmer? Moi, j'ai parlé de mon père? Oui, j'ai lu dans le livre que... Mon père, oui. Mon père a été sollicité pour être candidat du parti Rhinocéros, mais il ne s'est pas présenté finalement. Ah bon, parce que c'est intéressant. C'est pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas même peut-être ce qu'est un rhinocéros. Ce n'est pas un animal très courant sous nos latitudes. Donc, il y a un écrivain qui est derrière ça, c'est Jacques Ferron, qui est entré en contact avec lui et que peut-être nous parle un peu de ce qu'était rapidement. Bon, ce parti rhinocéros, c'est quand même c'est en lien avec notre sujet puisque c'est un parti souverainiste. C'est pour moi ou pour Luc, ça? Celui qui veut prendre la main. Peut-être. Okay. Toi, historien. Le rhinocéros est un animal assez particulier, hein, qui faisait beaucoup rire ce personnage extraordinaire qui est un docteur doublé d'un écrivain qui s'appelle Jacques Ferron. Et c'est le rhinocéros, on l'oublie, mais il est arrivé en Europe assez tardivement, vers 1513 en fait. On va en apporter un spécimen qu'on place devant le port de Marseille sur une île. Et on veut l'apporter au pape en fait. Et Durer, qui est un grand graveur, Durer, va graver un rhinocéros. C'est la première représentation qu'on voit d'un rhinocéros en Europe. Et cette gravure-là est célèbre parce que, oui, on reconnaît un rhinocéros, mais si vous regardez un vrai rhinocéros avec la gravure, vous voyez que ce n'est pas tout à fait comme ça, un rhinocéros. Alors, le rhinocéros qui est supposé se rendre à Rome va arriver finalement empaillé parce qu'il va mourir avant d'y arriver. C'est le triste destin des animaux exotiques pendant bien des années. Et il y avait quelque chose d'inusité à l'idée de faire transporter un rhinocéros pour le montrer au pape. Alors, Jacques Ferron, qui était un esprit facétieux, drôle, a dit qu'il a trouvé que ce symbole-là était assez extraordinaire pour symboliser la politique canadienne, qui était un peu un animal tout croche, au fond. Hein? Donc, le rhinocéros avec sa corne, son armure, qui est à la fois puissant, mais assez bête aussi, apparemment. Enfin, c'est l'image qu'on en a. Pour lui, ça devait symboliser un parti de l'invraisemblance et il voulait proposer sur la scène fédérale un parti qui montrerait le ridicule d'une situation politique dans laquelle s'engouffrait le Canada à l'époque. Et c'était la façon que Ferron, qui est un grand écrivain par ailleurs que vous devez lire absolument, avait trouvé pour faire de l'activité politique en tournant en dérision quelque chose qui autrement demandait à être sérieux. Ferron était toujours à cet égard-là assez en avance sur beaucoup de courants. On voit sa correspondance est publiée aujourd'hui avec sa sœur, notamment Marcel Ferron, qui est une peintre assez importante, et Madeleine Ferron, qui est une écrivaine aussi, qui a fait des contes et une histoire de la Beauce qui est assez importante aussi. Donc, dans ce cadre-là, il a sollicité beaucoup de personnalités pour joindre ce mouvement-là. Antoine Desilets en a été une, mais on peut penser, par exemple, à Robert Charlebois, le chanteur, ou enfin plusieurs personnes qui se sont retrouvées là-dedans. Ça se produit à partir de 1963, au même moment où il y a une montée du courant indépendantiste. Dans le cas de Ferron, qui va accompagner ce mouvement-là aussi,
il est certain qu'il y a une nécessité de repenser le Canada et la société québécoise et notre rapport notamment avec les Autochtones, qui est très présent chez Ferron et qui, en ce sens-là, anticipe beaucoup, beaucoup les conversations qu'on a aujourd'hui sur la place publique. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que à la fin de l'année 1970, lorsque les membres de la cellule Chénier se sont retrouvés coincés dans un tunnel caché dans une ferme où ils tentaient d'échapper à la police, donc après qu'on eut retrouvé le corps du ministre Pierre Laporte, ils se sont cachés pendant un bout de temps dans un tunnel. Lorsque la police cerne cette ferme où ils sont cachés et qu'ils les trouvent dans un tunnel, c'est à Jacques Ferron qu'on va demander de servir de négociateur. Ce n'était pas leur premier choix. La légende raconte toujours que c'est Ferron qui était leur premier choix. On le présente toujours comme ça. Mais ce n'était pas leur premier choix. Francis Simard, qui était un des membres du groupe de la cellule Chénier, m'avait bien confirmé à l'époque qu'on avait d'abord pensé à d'autres personnes, mais que c'est quand même Ferron qui avait été choisi pour ça. Alors, c'est amusant parce que j'ai écrit un petit peu sur Ferron récemment et je voyais aussi que de toutes les photos de Ferron qu'on avait, il y en a un certain nombre, la photo qui se distingue le plus, c'est pas une photo d'Antoine Désilets. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait en photo, ça, je serais curieux de le savoir, je l'ignore, mais c'est une photo d'Édouard Bouba, qui est un grand photographe humaniste aussi français, qui est venu ici. Alors là, il y a quelque chose tout de suite, tu regardes la photo, tu te dis, ah là, cette photo-là, c'est ça. Elle sort du lot instantanément, et c'est encore une fois la marque d'une présence du photographe dans l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si on veut parler aujourd'hui d'un grand écrivain ou d'une grande écrivaine, on cherche toujours une image. L'image, c'est fondamental dans notre société aujourd'hui. Hein. On a l'impression d'être au retour des débuts du christianisme presque. Le christianisme, une société où il y a eu beaucoup de représentations qui sont importantes. Là, je ne suis pas en train de vous faire l'éloge de la religion, c'est pas ça, mais on appartient quand même à une civilisation qui est fondée là-dessus en bonne partie. Là, on le voit, il n'y a pas des églises partout dans les villages encore pour rien. Bien, ça venait aussi avec une idée de la représentation. Puis on a encore un attachement pour la représentation qui se traduit dans l'image qui est très, très important. Ça tombe pas du ciel, on est les héritiers d'une vieille, vieille tradition, qu'on le veuille ou non. J'ai envie de sortir un peu du sujet. Je vous remercie, M. Nadeau, pour votre article sur le manoir de Mascouche. Vous savez qu'à Terrebonne, c'est notre banlieue. Je connais personnellement Guillaume Tremblay. Ça a été mon étudiant. Ça fait 15-20 ans que je lui dis un jour, Guillaume, tu vas faire quelque chose avec ce manoir-là et non pas une salle de spectacle, on s'entend. Puis là, on parle de la religion. Moi-même, je suis athée, mais je ne suis pas anticlérical. J'apprends la semaine dernière qu'on démolit 4 églises à Trois-Rivières. Je veux dire 5 peut-être, oui. Et bon, puis il y en aura d'autres. Je veux dire, c'est hallucinant. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je sais que vous aussi, ça vous touche particulièrement le patrimoine. Oui, je m'occupe beaucoup de ces questions-là. Le patrimoine, il faut qu'on se voit que c'est pas quelque chose qui est en marge de nous. Hein. Victor Hugo, au début du 19e siècle, a fait un texte pour expliquer qu'il fallait protéger Notre-Dame, parce que la plupart des gens à Paris étaient prêts à démolir l'église Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, évidemment, c'est un des lieux les principaux qu'on va visiter en France. Elle a été considérablement endommagé par un incendie récemment, puis ça n'a pas pris 5 minutes pour que tous les milliardaires français trouvent de l'argent pour la reconstruire. Ils n'ont pas encore trouvé d'argent pour sortir les gens de la rue puis de la pauvreté, par contre, mais pour ça, ça leur a pris à peu près 2 semaines pour trouver je ne sais pas combien de milliards pour la reconstruire. Donc, c'est donc signe que ça représentait quelque chose d'important. Or, il y a 200 ans, tout le monde était d'accord qu'il fallait la raser. Je pense que chez nous, on a un peu le même problème. On a une difficulté de s'envisager, de voir que dans le passé, il y a une forme de reflet et d'assurance en l'avenir. Hein? Au fond de l'avenir, c'est du passé qui n'a pas été encore fabriqué. Hein? Alors, c'est sûr que si on rase à mesure toute trace de notre passé, vous avez par exemple de très belles maisons, encore la semaine dernière,
dans votre coin aussi, je pense, je ne me souviens plus c'est où, sur la rue principale, une maison de 1870, en parfait état. Il y a tellement de place au Québec. Est-ce que c'est absolument des maisons du 19e siècle ou du 18e siècle qu'il faut construire des condos? On a-tu vraiment besoin, on manque-tu à ce point d'espace pour devoir raser systématiquement le passé pour refaire des espaces qui sont souvent pas de très grande qualité, d'une part. D'autre part, on parle toujours d'écologie, de la nécessité de recycler. On vous tape sur les mains si vous ne recyclez pas votre feuille de papier et vous ne recyclez pas vos bouteilles de bière. Mais parmi les choses les plus polluantes qu'on fait en ce moment, c'est de détruire systématiquement des édifices. Il n'y a rien qui pollue plus que ça. On prend une pelle mécanique, on arrache le bois, le béton, les structures qui sont là, puis on ne se donne aucun espèce de moyen de les recycler. Alors, on sait, par exemple, si vous vous promenez en Italie, vous vous retrouvez dans des logements, par exemple, qui datent du 16e ou du 17e siècle, c'est possible de récupérer des logements puis d'en faire quelque chose d'actuel, de moderne, tout en conservant une trace. On ne veut pas momifier la société au complet, mais il y a une capacité qu'on devrait avoir de concevoir que notre passé n'est pas disparu. Je pense, par exemple, à l'histoire des femmes, qui tient aussi à ça. Il y a 2 ans, on a rasé la dernière usine où avaient travaillé des milliers de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale à Montréal, un immense entrepôt industriel tout en bois qui est en très, très bon état et que la ville de Montréal a décidé de raser pour faire un stationnement. Alors, cet espace-là, quand même, était exceptionnel. Ça fait partie de l'histoire des femmes. On aurait très, très bien pu utiliser cet espace-là pour en faire quelque chose d'actuel, tout en soulignant que l'affranchissement, le droit de vote des femmes avait été obtenu à cette époque-là par le fait qu'elles devaient travailler dans des usines pour soutenir l'effort de guerre. C'est comme ça un peu partout. Vous parliez il y a un instant de Mascouche. On a un manoir seigneurial qui est là. La seigneurie date du 17e siècle, donc 1600 quelque chose. Le manoir a été en très, très bon état jusqu'à il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Il y a eu une école secondaire dedans. Il y a eu, dans des pavillons qui étaient avoisinants, on a pensé en faire un pavillon d'université. La Sûreté du Québec, il y a eu des bureaux. On a laissé tomber celui-là. En moins de 15 ans, on a décrété qu'il fallait le raser. Hey, c'est là depuis le 17e siècle. Il n'y en a pas des tonnes, des bâtiments comme ça. À Chambly, on a rasé la maison Boileau. La ministre de la Culture de l'époque avait dit « Oui, on ne peut pas préserver toutes les maisons qui ont appartenu à des patriotes de 1837-38, il y en avait 40 000. » J'avais mis au défi la ministre de nous trouver 40 000 maisons qui restaient des patriotes. Hein. À Québec, l'année passée, on a rasé la maison Pasquier. La maison Pasquier, c'était une des 5 demeures qui restaient du 17e siècle. La ministre actuelle a dit « Oui, mais elle n'est pas 100% dans l'état d'origine. Hein. » Et c'est quelque chose d'assez particulier, ça, au Québec. Hein, où pour protéger quelque chose, on vous demande, au fond, d'avoir une maison où il n'y a pas de toilette et il n'y a pas de chauffage central. En connaissez-vous bien des maisons du 17e siècle, pour le peu qui reste, qui n'ont pas été isolées selon les normes d'aujourd'hui, et où les gens qui habitent encore dedans ne voudraient pas avoir de toilette à l'intérieur? Donc, la maison, qu'elle soit à 40, 50, 60 ou 30 % de l'origine, de son caractère original, on a décidé aujourd'hui que c'était mieux d'avoir zéro. On est mieux de la raser que d'avoir quelque chose qui serait juste à 30 ou à 40 ou à 50 %. Et on reproduit ce modèle-là un peu partout en confiant aux municipalités qui reçoivent essentiellement leur argent par des promoteurs immobiliers qui font augmenter l'impôt foncier. C'est-à-dire, si vous avez des promoteurs qui vous construisent des condos, ça fait plus de revenus de taxes. Alors, un promoteur qui dit « je vais acheter la vieille maison qui est là », je vais la détruire, puis je vais vous faire 8 unités de condo qui vont vous rapporter beaucoup plus parce que la vieille maison qui est là n'est pas adaptée. C'est aux municipalités qu'on demande à la fois d'être juge et partie. On leur demande de protéger le patrimoine, puis en même temps, on leur dit « arrangez-vous, trouvez-vous des revenus pour faire vivre la municipalité ». Alors, il n'y a pas photo pour rester dans l'univers de la photo, qu'on est en train de transformer un peu le Québec en un vaste boulevard tachereau. Il n'y a pas personne qui veut habiter le long d'une galerie marchande avec des immeubles carrés interchangeables qu'on rase au besoin pour les remplacer par d'autres structures d'aluminium. Il y a une signature au Québec, il y a un esprit qui tient pas juste dans les vieux bâtiments, mais aussi dans des bâtiments modernes. On a rasé, par exemple, à Saguenay, dans la municipalité de Saguenay, il y a
il y a peut-être un mois et demi, enfin début septembre, on a rasé une maison qui était pourtant citée comme étant exceptionnelle, qui est une des premières maisons dites modernes au Québec. Hein? On l'avait en photo, elle datait de l'époque de l'Expo, c'était un architecte important qui l'avait fait. Même chose pour les églises. On va en raser 5 prochainement, probablement à Trois-Rivières. Une de celles-là a été décorée par Guido Nincheri, qui est un grand décorateur d'église, qui est un peintre assez exceptionnel. C'est sûr qu'on ne peut pas tout garder. Et en même temps, il y a ça, c'est l'aspect le plus visible dont on parle facilement, le patrimoine bâti. Mais au Québec, de la même façon que pour les photos, il y a un vrai problème pour les archives. Les centres d'archives autorisés gagnent en moyenne de soutien 30 000 $ par année pour employer des gens et pour conserver des documents qui sont au fondement de notre histoire. L'archive religieuse, le Québec, là, c'est un état laïque avec raison, mais la laïcité ne doit pas oublier le fait que l'histoire du Québec se conjugue largement avec celui des communautés religieuses. Les soins de santé, les soins pour les personnes âgées, l'éducation, les soins psychiatriques, tout ça est passé pendant très, très longtemps par les communautés religieuses. Leurs archives sont en train d'être perdues. Hein, j'ai alerté dans le Devoir à la fin de l'été l'état très dangereux des archives des Sulpiciens. Les Sulpiciens sont ceux qui ont fondé Montréal. Ils étaient les seigneurs de la ville de Montréal. Alors, encore une fois, il n'y a pas photo. Si on ne se rend pas compte de l'importance des archives, dans lesquelles se trouvent souvent aussi des fonds photographiques extrêmement exceptionnels, on partage sur Facebook, sur Twitter, toutes sortes de vieilles photos qui viennent du monde entier. Il y en a partout dans nos archives au Québec. Je vous le sais, je passe ma vie là-dedans. Des photos exceptionnelles qu'on gagnerait à connaître, qu'on gagnerait à diffuser. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans parce qu'on ne s'est pas donné la peine comme collectivité de mettre le doigt sur l'importance de ces choses-là et de le valoriser et de le partager. M'emporte, mais j'aime ça. Regarde, toute parenthèse, peut-être. C'est toujours intéressant de t'entendre, Jean-François, parlant de patrimoine, puis tu as effleuré le sujet, mais on pourrait parler d'archives photographiques et on pourrait parler d'archives cinématographiques. Moi, c'est quelque chose que je trouve ahurissant. Les archives de la presse, entre autres, qui ont été vidées il y a quelques années. Certains ont fait, pas certains, les individus qui ont fait une sélection là-dedans, qui a été envoyée à la BANQ, mais c'est minime. Et avec quel regard ou à travers quels critères ça a été fait, je ne sais pas. Moi, ça m'a permis de retrouver des photos de mon père qui était à la presse, donc il gardait les droits parce que c'était à la presse, mais moi que je ne connaissais pas. Mais on pourrait aussi parler des archives de l'ONF, le film que Félix Rose a sorti sur la famille Rose, qui s'appelle Les Roses. Là. Bref, il faisait référence lors d'une session que j'ai eue avec lui parce qu'on a vendu beaucoup de photos de mon père de la période de la crise d'octobre, là, vendues, pratiquement données. Comme avec toi, Jean-François, le livre de Bourgault. Bref, beaucoup de photos de mon père sont là-dedans. Puis il me disait lors d'une discussion qu'il avait trouvé dans ce qu'ils appellent les chutes de l'ONF. Les chutes, ça semble être, vous êtes peut-être plus familier avec moi, mais c'est comme les résidus de films qui sont comme en attente d'être jetés, quelque chose du genre, là. Mais c'est des éléments qui ne sont pas nécessairement pertinents pour l'ONF. Alors, il a trouvé dans les chutes de l'ONF des minutes et des minutes de films qu'il a utilisés dans son film que j'ai trouvé excellent là, sur les roses. Alors, il y a un souci qui n'est pas là. Malheureusement, puis, tu sais, contrairement au bâtiment, puis je suis tellement d'accord avec toi, Jean-François, mais c'est pas quelque chose qui est si complexe que ça. C'est pas si coûteux que ça que d'archiver les documents photographiques, des négatifs, des bouts de films. J'ai beaucoup de difficultés. C'est notre histoire, une partie de notre histoire qu'on a là-dedans. Tout comme dans les bâtiments, tu vas me dire. Mais c'est pas quelque chose qui déborde des archives de la presse, du Devoir, où on nomme tous les grands journaux. Puis on a des journaux qui sont morts, puis on sait que les archives de ces journaux-là sont pratiquement totalement disparues. Mais le regard qu'on avait en 1960 dans le Montréal matin, puis le regard qu'on aurait de ces photos-là en 2020, c'est tellement différent, puis tellement enrichissant,
puis tellement un autre monde. Là. Alors, d'être capable de se projeter dans le temps avec ces images vieilles, puis qui ne sont pas si vieilles que ça, là, quand on parle de bon, la presse a 100 ans, mais il n'y a pas beaucoup de photos il y a 100 ans, mais les archives de la presse il y a 50 ans, 60 ans, il n'y a pas tant de matériel que ça. Mais bon Dieu, c'est notre histoire, c'est nous autres. Puis on va, c'est parce qu'on va tellement s'en vouloir un jour, tellement s'en vouloir. On ne le réalise pas actuellement. C'est la même chose pour les églises. Les chapsules, je suis un athée comme vous, M. Hull, mais bon Dieu, c'est des bâtisses qu'on ne peut pas faire disparaître comme ça. Minimalement, ils transforment en condo, mais pas mettre la pelle dedans. Non, c'est vraiment... Ça peut être utilisé au church blague en, quand on parle de condo, mais 12 000 organismes communautaires qui cherchent des endroits pour installer leur planète, ça peut être autre chose que des condos, mais pas mettre la pelle là-dedans. Écoutez, depuis tantôt qu'on parle de photos, des photos de votre père, puis là, les gens sont là, ils n'en ont pas vu. On va un peu dire comme ils vont des champs. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. Parce que ce que je vous propose, c'est j'ai fait un petit PowerPoint que je vais mettre à l'écran et puis vous pourrez y aller un peu de vos commentaires. Évidemment, ce sont toutes des photos sur la crise d'octobre. C'est toujours le même problème de partager l'écran. Attendez. Bon, voilà. Ça devrait être ça. Diaporama. Un peu. À partir du début. Bon. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un peut... Oui, on voit, Alain. Merci. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Parce que, dans le fond, ce que je vais faire de mon côté... On va faire deux choses avec les photos d'Antoine. Je vais les mettre sur notre site du Cégep. Donc, les étudiants pourront les apprécier pendant un certain temps. Et je vais faire reproduire un certain nombre pour le hall d'entrée. Donc, on va continuer à vivre un peu dans l'esprit de la crise d'octobre, si on peut dire. Donc, ça, c'est un montage que je n'ai pas fait personnellement, que vous devez reconnaître. Donc, on voit votre père dans le coin gauche, assez jeune. On le voit au centre avec son icône. On voit quelques photos. Et surtout, dans le coin, un des coins, je ne sais pas si pour vous, c'est à gauche ou à droite, on voit effectivement la photo dont vous parliez tantôt, une de celles, du moins, parce que quand il faisait des photos, il en faisait des centaines. Il faisait tous les angles possibles et impossibles. Donc, on voit nos trois chantres de la souveraineté, Yvon Deschamps, Félix Leclerc et Gilles Vigneault, qui sont en train de lire le jour. Et donc, effectivement, ça a été pour faire la promotion du journal, mais c'est quand même exceptionnel de voir la qualité du tirage. Donc, il y a plusieurs photos individuelles là, qu'on peut voir sur le site bon, Félix Barthes. C'est assez, ça nous met un peu... Peut-être, M. Hull, vous faites référence à cette photo-là qui je trouve toujours extraordinaire. Mais le journal Le Jour, peut-être pour les étudiants et vos élèves plutôt, Journal Le Jour est un journal indépendantiste qui est né en 1974, oui, et qui est mort un an et demi plus tard, là, juste à la veille des élections du Parti québécois, les élections que le Parti québécois prenne le pouvoir. Puis c'est lors d'une campagne de publicité que ces trois bonzes-là, effectivement, ont accepté de faire. Là. Mais c'est ça, un journal indépendantiste, parce qu'on en a déjà eu un qui était celui-là, Le Jour, un journal solide. Où travaillaient des gens comme Jacques Parizeau, évidemment, comme René Lévesque, Jean-Pierre Charbonneau, mon père s'occupait du volet photographique avec Mme Beaugrand-Champagne comme photographe. Toute petite parenthèse. Ben mais vous m'ouvrez une porte parce qu'il faut quand même dire que votre père a quitté la presse pour aller au jour. Et effectivement, ce n'était pas les mêmes conditions salariales. Il fallait vraiment être militant ou... altruiste là, pour se lancer dans cette aventure-là. La plupart des journalistes du jour n'étaient quand même pas écoutés au cycle au devoir. C'est pas facile non plus. Là. Les collaborateurs, les montants ont à peine monté. Mais bref, au jour, on était des bénévoles, les gens qui envoyaient des collaborations. Moi, c'est là que j'ai rencontré Pierre Vallière. Et puis, finalement, l'aventure s'est terminée et j'ai migré... J'ai quand même collaboré à quelques reprises au devoir dans ces années-là. Bref, j'aimerais ça, Luc, que vous nous
nous confirmiez un peu cet acte militant d'une certaine façon. Oui. Oui, bien, regardez, comme je vous disais tantôt, une de ces façons de donner pour la cause, ça a été de faire de jouer au photographe de façon bénévole pour Pierre-Jean-Jacques. Mais il y a eu ce geste-là qui. Jean-François, lui, la crise familiale s'est vécue lorsque son père a acheté son premier Nikon 1 ou F, je ne me souviens plus. Là. Bref, moi, c'est quand mon père a vraiment pris le choix de quitter le journal La Presse, qui avait des conditions, qui lui offrait plutôt des conditions très intéressantes, là, autant au niveau salarial que global, là, en termes de d'heures de travail, tout ça, des belles conditions de travail, bref. En passant au journal Le Jour, c'est clair, journal Le Jour, on pense son salaire a diminué de moitié, mais le pire, ce qui faisait énormément réagir ma mère, c'est que c'est le fonds de pension qui disparaissait pratiquement. Pour vous donner une idée, il a travaillé une douzaine d'années, 10 ans au jour, non, 12, 13 ans à peu près, pour La Presse. Et mon père avait jusqu'à son décès une pension de 125 $ par mois, là, OK? Ça aurait été 10 fois ça s'il était resté juste 10 ans de plus. Là. Bon, bref, c'est ça. Heureusement que c'est un peu repris avec les livres. Oui, oh non, tout à fait. Tout à fait. Ça a été une vache à lait pour mes parents. Ça a été des années où on avait moins de beurre de pinot sur nos routiers. Ouais. Je tourne la page. Donc, une petite citation de ses collègues, en fait, qu'un jeune photographe là, qui lui reconnaît son... Je trouve que la phrase résume bien. Donc, ces images prises au millième de seconde permettent des milliers de secondes de réflexion. Donc, c'est assez approprié. Ça, c'est une des plus anciennes. Bon, ça, c'est avant la crise d'octobre. Je crois qu'elle date de 63. En passant, ça, c'est un problème des archives nationales ou de toute archive confondue. On tombe sur des documents, puis ce n'est pas identifié, il n'y a pas d'année, il y a des photos éventuellement d'un musée, on voit une œuvre d'art, elle n'est pas identifiée. On a le nom du photographe et le copyright, mais on n'a même pas le nom de l'artiste. Bref, je ventile quand je vois ça et que quand on essaie de faire de la recherche, en tout cas, si un étudiant fait de la recherche et cherche à identifier les choses, disons que ça, moi, nous savons de ce qu'on a sous les yeux quand on a un peu quand on est un peu un vieux dinosaure comme moi, c'est la statue de McDonald's qui n'existe plus présentement. Elle est passée au dernier Infoman. René Dufort a pris la place de McDonald's là, pour la photo. Donc, on voit que cette œuvre d'art, c'est ce monument qui est, soit dit en passant, sur une supposée place du Canada, le Reine Élisabeth d'un bar, l'ancien Sun Life qui nous menaçait de quitter, la cathédrale avec les ultramontanistes. Je veux dire, c'était le cœur de Montréal, les stations du CN et du Canadien Pacifique. Je veux dire, on était vraiment là, dans ce cœur très anglophone de Montréal et ce monument, donc, qui est pris à partie aujourd'hui par les antiracistes. Bref, McDonald's n'a pas beaucoup d'amis. Ouais, mais là-dessus, vous voyez... Le tort ne vient pas juste aux archives, sans prendre leur défense. Cette photo-là, je ne suis pas capable de vous dire l'année exacte, Jean-François serait peut-être mieux que moi là-dessus, mais mon père non plus n'écrivait pas les dates, les années même, derrière ces photos. Peut-être parce qu'il en prenait trop, je ne sais pas. Ça allait vite. Oui, peut-être, ça allait vite. C'est sûr que ça allait vite, puis dans la photo de presse, là, à un moment donné, il faut que ça sorte, puis... Ta journée est finie, puis il y en a une autre qui recommence. Puis en général, aujourd'hui, on demande à des gens qui font une espèce de secrétariat photographique de donner les indications que l'appareil a lui-même transmis, parce qu'on sait au moins la date maintenant avec le fichier numérique. Puis la personne qui fait l'archivage va demander au photographe il y avait quoi là-dessus, ou on demande au photographe au moins de taper 2-3 mots pour qu'on sache les retrouver. Mais à l'époque, là, c'était un maudit travail classer des feuilles de cellulose, puis il faut attendre que ça soit sec, il faut les découper, il faut les remettre dans des petites vignettes. C'est beaucoup de travail. C'est intéressant cette photo-là parce que si je me souviens bien, c'est une commande qui avait été faite par le RIN. Alors, on dit ces dernières années que le monument de Johnny McDonald a été souvent outragé ou l'objet de manifestations de toutes sortes parce que Johnny McDonald, c'est un personnage assez odieux à tous égards.
C'est vrai que c'est un centre qui est... Merci infiniment. Je t'en dois merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un centre qui est au cœur du, de ce qu'on appelle le Dominion Square, la place du Canada. Mais à l'époque, c'est un cimetière qui était là. C'est le cimetière Saint-Antoine. C'est un cimetière catholique. Et c'est le cimetière à Montréal le plus important avant qu'on prenne les corps qui sont à cet endroit-là et qu'on les déménage aujourd'hui au cimetière de la Côte-des-Neiges, qui est le grand cimetière de Montréal. Alors, on a tellement peur parce qu'il y a eu des maladies à l'époque qui sont importantes, le choléra notamment. On a peur que les gens qui sont morts de maladies infectieuses, je vous parle de ça parce que c'est intéressant avec la COVID-19, on a peur que ces maladies-là remontent du sol, hein? Alors, on va installer des militaires qui vont tirer des coups de canon à blanc pendant qu'on creuse le sol pour enlever les morts, pour que dans la fumée dégagée par les tirs de canon, on puisse au moins chasser le danger, les miasmes, comme on les appelle, les dangers de résurgence de ça. Alors, ce monument-là est intéressant parce qu'il est financé par de richissimes conservateurs qui sont des amis du pouvoir, qui vont devenir ultra-millionnaires en ayant les contrats de chemin de fer de Johnny McDonald. Johnny McDonald qui interdit par une taxe l'accès aux Asiatiques à titre de citoyens britanniques, comme le sont les citoyens canadiens à l'époque, qui a une politique anti-francophone qui est majeure, hein, qui va contribuer à pendre Louis Riel, le chef métis près de la Rivière Rouge au Manitoba, qui est aussi ami de sudistes confédérés. Il va être l'avocat de troupes sudistes, de gens de sudistes qui sont évidemment des racistes anti-noirs assez forcenés. Alors, dès les années 60, on commence à avoir des manifestations à son égard, et c'est nouveau, ça, l'idée de faire des graffitis, tout ça. Alors, pour la petite histoire, c'est Bourgault, que je sache, qui dit que ça serait intéressant d'avoir une photo de McDonald's avec quelque chose où c'est écrit « Je suis séparatiste » ou « Vive l'indépendance ». Et il fait cette demande-là donc au père de Luc. Et il dit le père de Luc a dit « Malheureusement, il n'y a rien d'écrit sur le monument. » Il dit « Ça va s'arranger. » Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais des fois, les photographes faisaient aussi des mises en scène, je pense. Enfin, je sais qu'il a fait plusieurs copies, tirages. On la voit de jour, de nuit, bref. C'est 63, ça se confirme, parce que l'aérienne, vous voyez, c'est à peu près ces années-là que d'ailleurs, on va voir des photos dans un instant de Bourgault puis de Mme Ferretti. Bon, voilà, donc là, je fais juste un peu pour mes étudiants, je vais mettre un peu d'autres choses, là, des images de livres qui vont faire le lien avec ce dont on parle. Franz Fanon, bon, les damnés de la Terre, on en a parlé, c'est parce que ça fait une semaine là, qu'on roule là-dessus, donc il y a des références qui deviennent incontournables quand on veut comprendre l'histoire de la crise d'octobre et notre histoire tout court. Nègre blanc d'Amérique, bon, je viens de prononcer le mot, excusez-moi. Ça y est. Ça, c'est peut-être pas la version d'origine. Moi, j'en ai une chez moi avec la photo il y avait même la dame qui avait porté plainte. Là, c'était des gens de Saint-Henri, je crois. Puis ils avaient pris une photo. C'est pas votre père, évidemment, qui a pris ça. Mais bref, on a souvent le rapport au copyright, ça aussi, des fois, ça complique la vie quand on veut utiliser. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de photographier personne. Je roule. Donc, voilà, je fais le comparatif. Tantôt, on disait, oui, votre père était un des rares photographes de presse, mais il y a aussi Robert Nadon, qui, semble-t-il, était assez actif à l'époque, parce que j'ai pris beaucoup de photos. Éventuellement, je vais compléter là, pour enrichir ma présentation. Mais voilà un autre exemple de... Donc, de monument qui est assez... ça, c'est la reine Victoria. Elle aussi, je pense qu'elle a perdu la tête une couple de fois là, lors de dynamitage et autres. Ça, c'est sur le square pour les gens qui ne sont pas de Montréal. Là, elle est sur celle de Québec qui a perdu la tête. Celle-là, elle l'a toujours gardée, curieusement. Ouais, bon, ben, c'est à suivre. Bref, elle est en face de la Tour de la Bourse. Donc, là où les Felkis, justement, vont accomplir une des plus graves. Il y a eu 22 blessés graves, je crois. Là, c'était un des mouvements. Ça l'a beaucoup secoué. Bon, il y a des documents, évidemment, d'époque. Voilà, on y arrive. Le RIN, alors ici, je me suis limité à une, là, donc, ou deux. L'écrivain Hubert Aquin au RIN. Donc, comme vous disiez tantôt, Luc, c'est vraiment comme une commande. Le Bourgault, entre autres, l'approche. Et finalement, il va comme couvrir... La campagne, et peut-être même plusieurs campagnes. Il y a d'autres images tantôt qui reviennent. Donc, Hubert Aquin, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'au Québec, encore une fois, quand on est mort, il n'y a plus grand monde pour parler de nous.
Caratet est un des principaux écrivains de la littérature québécoise, et je dirais même universelle, il faut le dire, on le saura un jour par d'autres. Là. Souvent, la reconnaissance du Québec vient de New York ou de Paris. Après, les gens disent « Ah, ben oui, c'est vrai, hein, il est dans le fond, il n'était pas si mal » ou d'autres. Bref, Hubert Aquin, grand écrivain qui va justement être marqué là, par la mouvance souverainiste. Hein. Il va écrire « Prochain épisode ». Dans un contexte assez particulier. Donc, il avait décidé de fonder son propre FLQ. Hein, il décide de s'enfoncer, dit-il, dans la clandestinité. Évidemment, bon, on le retrouve et il avait le choix entre la prison puis l'asile. Alors, il a préféré l'asile et c'est là qu'il a écrit donc, ce roman que j'incite toujours les gens. J'en parle en philo, j'en parle en histoire de l'art et puis j'espère que mes collègues en littérature complètent parce que c'est en renforçant. À partir du moment où il y a une personne qui en parle à un autre, on vient de semer une petite graine. Donc, Hubert Aquin, qui était effectivement un peu comme Bourgault, un tribun, c'est quelqu'un qui avait une expression, une diction. Est-ce que vous l'avez connu, l'un de vous deux? Mort en 77, hein, il s'est suicidé. Moi, j'étais bien petit. Ah et bon? Ce qui était intéressant, c'est que son fils, Stéphane Aquin, vient d'être nommé le nouveau directeur du Musée des beaux-arts de Montréal. Donc, c'est une famille donc, de lettrés. Le roman que vous citez est célèbre pour son ouverture, ce qui est le propre des grands romans. Hein. « Cuba coule lentement au fond du lac Léman, tandis que je descends au fond des choses ». Évidemment, c'est un roman un peu sur le genre policier, mais qui met en scène un peu son appétit pour un Québec indépendant. C'est une des grandes plumes du début des années 60. Puis, à raison, avec Jacques Ferron, il faut se donner la peine au moins de lire ça une fois dans sa vie. Hein. Je ne l'avais pas connu ni un ni l'autre. Mon Dieu, je suis donc bien vieux. Je l'ai connu quand il était à la presse. Là, il était sur le point d'être jeté dehors. Une rencontre qui ne s'est pas faite. J'avais lu un manuscrit, puis il trouvait ça très drôle là, parce que quand on est journaliste, on a souvent les épreuves. Et je disais, mon Dieu, vous n'allez pas publier. M'avez-vous envoyé la bonne version? C'était plein de coquilles, plein de fautes. Et puis finalement, ben, je n'ai pas eu la chance de... Une rencontre manquée. J'ai connu, comme disait Pierre Vallière, bon, un peu, c'est vraiment... Il est temps que j'écris mes mémoires. André Peretti, bon, effectivement, je la salue. C'est une grande amie. Elle nous a beaucoup aidés à l'époque de la revue Combat. Pendant 10 ans, j'ai animé la revue Combat avec Louis Cornelier et André Barry. Et André Peretti, évidemment, qui a toujours été de toutes les causes, nous a supportés de son temps et de son argent. C'est d'abord une militante. Elle a été emprisonnée 50 jours et plus pendant la crise d'octobre parce qu'elle avait effectivement appelé à la révolution. Mais effectivement, si on n'a plus le droit de parler de rien, c'est devenu assez dangereux, de menaçant. Alors, et elle a écrit de nombreux livres depuis. Donc, on la voit ici sur la tribune. Oui, le RIN, on voit mal ici la figure de... Parce que tout le monde peut-être se souviendra que le mouton était l'animal totémique des Canadiens français. À chaque Saint-Jean-Baptiste, on sortait le petit Jean-Baptiste avec son mouton et les RINES ne s'associaient particulièrement à ce mouton qui se faisait tendre la laine sur le dos. Et on a pris le bouc, donc un bouc avec les cornes, et donc, je ne sais pas qui avait fait le... Donc, on voit souvent ce slogan dans des photos en background. Bon, André Ferretti, une troisième fois. Pierre Bourgault, donc, je vous redonne la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on parle ici, on dit Pierre Bourgault au lundi de la matraque. Question large. écoute, c'est vraiment Jean-François, le spécialiste. Moi, j'ai eu le bonheur, par contre, d'écrire un livre que je vais publier quand j'aurai le temps sur les journées qui ont précédé et qui ont suivi le 24 juin 1968, là, parce que c'est de ça qu'on parle. 24 juin 1968, je ne sais pas, Jean-François, veux-tu que j'en parle? Bien, histoire vite, on s'en allait en élection fédérale le lendemain. Il y a une tribune, entre autres, qui est installée
sur laquelle, par hasard, il y a James Richard Truss, qu'on reverra dans l'histoire en 70, le maire Drapeau, le premier ministre du Québec, et évidemment, Pierre-Éliott Trudeau, qui est là pour faire sa cabale. Bourgault devait se présenter, ce que l'histoire dirait, Jean-François, tu me corrigeras, Bourgault devait se présenter pour faire, pour être vu, pour être photographié, pour être filmé quelques minutes et disparaître. Disparaître pour des raisons qui pouvaient peut-être alimenter une supposée arrestation, mais dans les faits, il s'est fait arrêter dans les secondes qui ont suivi cette photo-là de mon père, là. Bref, vas-y Jean-François, si tu veux, je vois le temps couler, puis on en a encore 10 minutes. C'est une période importante, la Saint-Jean-Baptiste, parce que pendant des années, on faisait des défilés avec des sociétés patriotiques, la société Saint-Jean-Baptiste, qui était suivie de majorettes, qui était suivie de chars allégoriques sur la grandeur, la beauté du Canada français, comme on l'appelait à l'époque. Alors, il y avait des vendeurs de pizza, de bière, de toutes sortes d'affaires qui étaient là et qui se satisfaisaient, évidemment, de ce type de défilé-là. Et on en a fait un objet assez politique au cours des années 60, c'est-à-dire que cette vieille fête du 24 juin, qui était une fête très ancienne qu'on fête en Amérique avant l'arrivée des Blancs, qu'on fête dans toutes les sociétés, au fond, qui est la fête du soleil, qui est la fête des cultures, qui est la fête du jour qui triomphe de la nuit, d'une certaine façon. L'Église catholique avait eu le génie de lui mettre un saint par-dessus, mais c'était une fête qui était immémoriale, qu'on trouve chez les Incas et tout. On veut en faire une fête nationale. Alors, l'idée que ça soit strictement une fête religieuse, une fête de semences, une fête où on célèbre le commerce de la pizza congelée puis de la fabrication de bières pas chères, ça déplaît à une certaine vision politique qui tente de s'émanciper. Et dans ce cadre-là, en 1968 et en 1969 aussi, il faut le dire, c'est un objet de contestation qui est important. En 68, pourquoi? Parce qu'il va y avoir une élection à ce moment-là, quelques jours plus tard, où Pierre-Éliott Trudeau, qui est l'ancien ministre de la Justice, qui est le père du premier ministre actuel, Justin Trudeau, se présente comme candidat. Il a beaucoup de chances d'être élu et il a déclaré quelques jours plus tôt qu'il n'existe pas quelque chose, au fond, comme une nation québécoise. Il a lu pour lui une fête folklorique, d'une certaine façon. Et il est invité sur l'estrade d'honneur qui est installée devant la bibliothèque centrale de la ville de Montréal, juste devant le parc La Fontaine à ce moment-là. Alors, les indépendantistes, qui sont de plus en plus nombreux à cette époque-là, et dont Pierre Bourgault est une des figures emblématiques, lui reprochent de se présenter à une fête dont il ne reconnaît même pas la valeur, au fond. Hein, et c'est ça qu'on lui reproche, et c'est à ce titre-là que on va commencer à lancer sur l'estrade des projectiles de toutes sortes. Les gens vont s'énerver, la police va charger, Bourgault va être arrêté très sauvagement, de même que plusieurs personnes. On va renverser des voitures de police, plusieurs voitures de police vont être renversées. Les chevaux de la cavalerie, qui sont des chevaux canadiens, qui sont encore la même race de bêtes qui sont utilisées par la police à cheval de la ville de Montréal, on va jeter des billes en dessous de leurs pieds. Moi, on m'a raconté ça, ce qui fait qu'il y a des chevaux qui tombent à la renverse, les quatre fers en l'air, c'est le cas de le dire. C'est une émeute pas possible. Le feu prend plusieurs arrestations. Il y a des militants qui sont battus. Et c'est comme ça, d'ailleurs, à l'occasion de cette journée-là, de cette soirée-là terrible, que plusieurs militants du Front de libération du Québec se sont rencontrés. La répression de cette manifestation-là a favorisé d'autres actions dans la suite des choses. Et en 1969, ça va être à peu près pendant longtemps la dernière parade de la Saint-Jean-Baptiste, parce que ça tourne mal aussi, mais cette fois-là pour des raisons télévisuelles, puisque c'est le poète et cinéaste Pierre Perrault qui est invité, auréolé du fait qu'il a produit un film très important que vous avez vu, que vous allez revoir, ou si vous ne l'avez pas vu, vous allez le voir, qui s'appelle « Pour la suite du monde », qui est un des chefs-d'œuvre, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un chef-d'œuvre du cinéma québécois, c'est un des rares films qui est coté 1 là, dans le TV Hebdo, quelque chose comme ça, qui est invité à commenter et qui, en parole, démolit un peu cette cérémonie-là aussi, et on va lui retirer le micro, Radio-Canada va couper le son
Et à partir de ce moment-là, on va voir que des images de majorettes qui défilent, puis on va décider d'arrêter ça d'après. À l'intérieur des rencontres dont fait référence Jean-François, effectivement, Paul Rose était présent. Paul Rose a été jeté sauvagement dans un panier à salade. Et quelques minutes plus tard, dans le même panier, Jacques Rose qui était venu en aide à quelqu'un qui était blessé dans la rue, a été matraqué et jeté ensanglanté dans le même panier à salade. Paul Rose a enlevé sa chemise, l'a accueilli, l'a étendu sur ses jambes, sur ses cuisses et a enlevé sa chemise pour éponger le sang. C'est le même qui se sont rencontrés. Donc, il y a des cellules qui sont nées 2 ans plus tard de cette émeute mémorable. Dites-moi, Luc, vous avez une réunion à 14 heures, hein? Je suis branché, oui, et à 14 heures, nous sommes en vote. Parce que... En vote au Parlement. Nous, vous savez, l'avantage de ces Zooms-là, c'est pas comme à la télévision, on peut continuer un peu. Donc, si M. Nadeau a encore un peu de temps, on peut rouler encore un peu. Ça vous va? Oui, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions avec tout ça? Parce que moi, je ne peux pas passer tout l'après-midi avec vous non plus. J'ai du travail aussi, mais s'il y avait des gens qui avaient des questions, je ne sais pas si c'était prévu, mais c'est toujours intéressant parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. J'imagine qu'il doit y avoir du monde. Non, c'est ça. On voit, on était parti à 60 et puis là, on est à 22. Ah! On ne devait pas être assez bon. Ah, zut! Non, ben c'est parce que... Regarde, on pose cégep. Les étudiants aussi, comprenez qu'eux autres ils font centre de cours, là. Mais je vous rassure parce qu'effectivement, on va enregistrer la conversation, donc à vidéo. Alors, les étudiants vont avoir, il y en a beaucoup qui vont voir ça en reprise, comme on dit. Voici un autre là, qui est assez extraordinaire. Donc, on voit Pierre Bourgault avec d'autres militants et c'est un appui au FLQ. Donc, ça, encore une fois, même s'il n'était pas le plus proche de la gang, on dit souvent que Pierre Bourgault était contre la violence, mais on a peut-être des nuances à faire à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un paquet de nuances, effectivement, à faire. Cette photo-là a été prise avant les événements d'octobre. Là. Le FLQ, on parle de 1963-70. C'est peut-être juste se rappeler, sans minimiser, encore une fois, le meurtre de Pierre Laporte ou l'enlèvement de Jim Richard Cross. Les années de 60 à 70, ça pétait partout dans le monde. Hein. Ça pétait partout dans le monde. Des mouvements comme la FLQ, il y en a eu, puis on ne parle pas juste de l'IRA. Aux États-Unis, ça brassait énormément. Juste vous donner une petite idée, peut-être pour vos élèves, vous êtes au courant, M. Hull, sûrement, mais on a déposé une motion, nous, évidemment, au Parlement. J'ai eu à faire un discours là-dessus sur... des excuses qu'on demandait carrément au gouvernement fédéral par rapport, non pas par rapport à tout ce qui est violence du FLQ, mais par rapport à l'imposition de la loi sur les mesures de guerre, une loi qui brimait de façon épouvantable les droits et libertés des individus, qui permettait de faire des arrestations n'importe comment, et qui a même permis, entre autres, à des policiers de faire des arrestations qu'ils n'étaient pas capables de faire en temps normal sur des gens qu'ils avaient dans le visage. Des criminels, des vrais criminels là, qu'ils avaient dans le visage. La loi sur les mesures de guerre leur a permis de faire des arrestations du genre. Mais bon, on n'a pas eu gain de cause, évidemment. La motion n'a pas passé. Mais quand l'imposition de cette loi-là a été faite, on a demandé à des proches du président des États-Unis à l'époque si parce que ça brassait encore plus aux États-Unis que ça pouvait brasser chez nous en termes de mort, là, s'il aurait recours à une telle loi. Puis la réponse a été de façon catégorique, non, 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 jamais, jamais. C'est ça. Cette photo-là est magnifique. Est-ce qu'elle est de mon père, non? Elle n'est pas de votre père. Voilà. Ah, et voilà, je ne la connais pas, c'est magnifique. Dans mon montage, je vais évidemment, parce que, comme je vous dis, je veux essayer de faire une espèce de... Donc ça, c'est le chien de James Cross dont on entend parler dans les récits. Ça, c'est la officielle du FLQ. Oui. Le fameux, hein, il est censé être assis sur une caisse de dynamite, c'est évidemment faux. On a mis N blanc d'Amérique qu'il est censé lire pour faire son éducation. Il préférait jouer aux cartes, semble-t-il. Et ça, c'est des photos de votre père qui montrent le journal de la presse. Donc, c'est comme une mise en abîme. C'est assez extraordinaire. On voit, les gens, on est devant la presse. Il y avait les journaux qu'on pouvait voir dans les vitrines à l'époque. Ici, bon, encore une fois, vous voyez que tout est c'est extraordinaire. En haut, on libère Cross. En bas, on parle des funérailles de la mort.
et ça, c'est une des rares photos parce qu'effectivement, j'ai appris en écoutant Anne-Marie Dussault et que le fils de M. Laporte, Jean, disait qu'on avait demandé juste deux choses au gouvernement. Ça ne serait pas trop vous demander. On voudrait des funérailles privées et on ne veut pas de photographes. Évidemment, voilà, ça n'a pas été respecté. Voilà des qualités. Donc, on a toute l'historique, on voit comment, bref, il va arriver avec la photo finale. Donc, on voit le détail et que c'est assez consternant. On voit tout le gratin protégé de Trudeau et autres qui débarquent. On voit ça aussi dans des archives de films. Et quelqu'un, voilà, il y avait cet œil. Donc, il reprend ici tout simplement un truc, une publicité du Québec et qui est en train de brimer le. Donc, c'est tout à fait encore. C'est atemporel, voyez, cette voilà, ça serait encore d'actualité. On pourrait la mettre en couleur. Et bref, l'armée occupe le Québec. On est devant l'hôtel de ville de Montréal. On surveille les gens du palais de justice. Ça, c'est une de ses plus magnifiques photos. On voit un hélicoptère. Donc, c'est le bruit de la répression qui fait trembler la place Ville-Marie, qui est comme le cœur de Montréal, qui était toute neuve à l'époque. Le Reine-Élisabeth, où sont réfugiés le gouvernement et la famille Laporte. Le dôme en réduction de Saint-Pierre-de-Rome. Bon, c'est vraiment un condensé de l'histoire de l'époque. Et la célèbre photo qui va être reprise, et on la voit sur l'affiche du film de Félix, donc la photo de son père qui continue à assumer donc son rôle, même s'il est arrêté. En fait, c'est amusant, il a vraiment tout représenté, presque les Felkistes. Il est même allé à Cuba photographier Jacques Cossette-Trudel et sa femme. Donc, il y a vraiment un portrait assez exhaustif de toute cette mouvance. Charles Gagnon, Michel Chartrand qui pleure, encore une fois. Bon, Francis Cibard qui a l'air assez tristounet. Ici, c'est Pierre Vallière qui semble avoir gagné un procès parce qu'on sait qu'il y a eu des hauts et des bas. Une photo plus récente, Michel Chartrand et Robert Lemieux. Ça, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est Carole Deveau. Oui? Oui. Parce qu'on a très peu de photos d'elle. Ça, c'est tout un personnage. On pourrait passer 3 heures là-dessus. Elle était l'agent double là, de la gendarmerie. On en a parlé avec Robert Comeau. Ça, je ne suis pas sûr. D'après moi, ce n'est pas Louise Cossette-Trudel. Ça serait peut-être plus la sœur de Paul Rose, parce qu'elle est au palais de justice. Donc, ça ne peut pas être... Vous voyez, bon, c'est un peu comme un jeu des indices, là, même si je connais. Ça, c'est Cossette-Trudel à Cuba. Donc, il y a plusieurs photos de la famille. Et ça, c'est la famille au complet avec... qui est ce charmant bambin? Ben, Alexis Cossette-Trudel. Décidément, a un peu changé de camp, si on peut dire. Là, pour les gens qui nous écoutent, il est présentement banni. On a fermé son site web tellement il tenait des propos conspirationnistes. Donc, sa mère est pas... Monsieur Hull, je vous laisse poursuivre. Je quitte à l'instant. Je vous remercie beaucoup. Ce fut intéressant. Merci à vos élèves et Jean-François Nadeau, au plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Monsieur Nadeau, je termine juste ça, puis je vous redonne. Bon, François Geoffroy, éventuellement, la chanteuse Pauline Julien, donc, et évidemment, il y a eu beaucoup d'autres artistes qui ont eu droit à ce traitement de faveur. Ça, c'est la cellule rose, donc, sur Queen Mary, le départ pour Cuba. Bref, c'est assez riche. Bon, là, je vais arrêter le partage. Donc, on peut peut-être prendre des questions des gens de l'auditoire avant que... Est-ce qu'il y en a des gens? Comme je vous dis, les étudiants ne sont pas toujours très verbomoteurs. Ça ne semble pas soulever. Vous voyez, c'est... Oui, M. Olivier Roy, un de mes collègues. Oui, c'est ça. Ben, merci, Jean-François Nadeau. Merci à Luc Desilets qui vient de quitter pour la participation à l'événement, puis à la semaine de la philo. Puis merci à Alain pour l'organisation en même temps. Là, c'est assez incroyable. Puis, ben, juste comme réflexion, au départ, qui paraît un peu comme, je dirais, un peu, un
un peu niché comme le travail comme de photographie puis de photojournalisme durant les événements d'octobre, ben, comme on a vu, ça nous a permis d'aborder toutes sortes de questions vraiment intéressantes. Donc, première chose, je venais juste à vous remercier. Puis comme j'ai la chance de m'adresser à Jean-François Nadeau, merci beaucoup de votre présence. C'est très généreux de votre part. Puis je tenais à vous dire que vous êtes une grosse raison pour laquelle je suis un fidèle du devoir encore. Vraiment. Si jamais vous vous posez la question, est-ce qu'il y a-tu quelqu'un comme... Oui, il y a des gens qui vous lisent puis qui apprécient votre travail. Vraiment. C'est très important. Maintenant, comme j'avais pris quelques notes, là, excusez-moi. Ah oui, c'est ça. Ça, je tenais à le souligner parce que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous en parlez avec beaucoup de passion. Puis c'est évident, étant donné comme la position de Luc Désilet, puis ben, le sujet d'aujourd'hui, que Luc Désilet doit avoir ça à cœur aussi, il l'évoquait, puis Alain aussi, puis ben, nous, les profs de philo, puis ben, les profs des humanités, comme on dit en général, c'est quelque chose à quoi on tient beaucoup, l'importance de la mémoire. Puis, c'est comme on se scandalisait tout à l'heure, souvent la faible importance qu'on accorde à la préservation de la mémoire. Je souhaitais juste rendre ça bien concret comme pour nos étudiantes et nos étudiants avec deux exemples. Un exemple tiré de la semaine de la philo puis un exemple tiré de ma pratique. Je me souviens, puis peut-être qu'Alain ou quelqu'un d'autre qui était là pourra nous rappeler c'était quoi. Je ne me souviens pas exactement, c'était à propos de quel événement précis, mais Félix Rose nous disait que dans son film, qui avait dû, son documentaire « Les Roses », sur son père puis à l'époque, dure 2 heures. Il est déjà très long. Puis ben, au moment de couper, il y a un événement ou un passage qui a dû couper parce qu'il n'y avait pas d'image à mettre pour pouvoir évoquer ou pour pouvoir soutenir, tu sais, comme ce que disait son oncle Jacques. Puis bien, concrètement, c'était un passage, puis il y a un événement qui est important pour Félix Rose, d'après lui, pour comprendre son père, qui a été mis de côté parce que il n'y avait pas d'image. Tu sais. C'est ça. Tu sais, l'importance actuelle de la mémoire, c'est juste une petite anecdote, là, mais c'est exactement ça. Je cite un autre exemple tiré de ma pratique, puis j'ai des étudiantes, sans aucun doute, qui ont vu le travail que j'ai fait cette session-ci, les cours, faire du montage vidéo, tout ça. N'eût été des archives comme de la ville de Montréal. Il y a plusieurs passages comme des cours que j'ai montés qui n'auraient simplement pas pu exister. Ou du moins comme qui aurait été c'est très, 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 très réduit, étant donné le format en ligne, avec l'importance comme de l'image pour appuyer la parole, sans ces images-là d'archives qui sont comme, c'est quand même assez exceptionnel. En tout cas, j'étais bien heureux comme d'avoir accès aux archives de la ville de Montréal pour pouvoir soutenir mon cours puis son contenu pour le rendre visible puis l'illustrer. Sans cette disponibilité-là, comme du matériel photographique de la ville de Montréal, j'aurais eu beaucoup de difficultés à rendre visible ce que je pouvais évoquer à ce moment-là durant le cours. Donc, c'est l'importance de la mémoire puis du travail d'archives. C'est pas juste comme une sorte de fétichisme du passé. C'est la compréhension comme du présent qui l'exige. C'est ça. Puis ça peut s'illustrer concrètement. Je pense que Jean-François Nadeau, c'est une de ses grandes batailles, entre autres.
fait oui, toujours. Rapidement, là, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, là-dessus, mais évidemment, la mémoire, c'est pas exactement l'histoire. Hein. La mémoire, c'est quelque chose qui traîne en dedans de nous, qui est souvent dans un construit récent. Ça tient de l'expérience de ce qu'on a connu déjà. Hein. C'est à partir de la mémoire, en bonne partie, qu'on construit l'histoire. Ce qui est moins en danger, me semble-t-il, maintenant, c'est moins la mémoire que l'histoire elle-même. La mémoire, bien sûr, on va s'en souvenir, par exemple, on parlait tout à l'heure d'un certain nombre d'églises du Québec. On évoquait le cas de celle de Trois-Rivières, 4 ou 5 églises de Trois-Rivières qui vont sans doute tomber prochainement. On va se souvenir au Québec, certainement, il va y avoir la mémoire qu'on appartient à une société qui a été largement façonné par l'univers de la religion catholique. Ce qu'on risque moins de se souvenir, c'est l'histoire elle-même, parce qu'elle n'est pas écrite encore, c'est les documents qu'ont eu ces congrégations religieuses-là, c'est ce qui est derrière la pierre, d'une certaine façon, et qui donne un sens à la pierre. La pierre seule parle rarement. Pour faire parler la pierre, pour faire parler le monde dans lequel on est, il faut qu'il y ait des gens qui se soient penchés sur des documents, qui a interrogé des gens qui avaient de la mémoire aussi, qui a consigné cette mémoire-là de sorte qu'on puisse en tirer un fil qui n'existe pas autrement que dans la médiation de l'historien. Et c'est un peu le travail de l'historien en ce moment, soit par les immeubles qui tombent, soit par la disparition des archives, soit par le manque d'attention qu'on a de façon générale à l'égard de passé, qui est en danger. Alors, ce n'est pas une volonté de conserver, de faire des antiquaires d'une certaine façon ou d'empoussiérer notre présent à partir d'éléments du passé, c'est de se donner des éléments par lesquels on peut se projeter dans un avenir plus ou moins rapproché d'ailleurs à partir des traces qui ont été celles qui ont été façonnées jusqu'ici et qui donnent au fond une direction à ce qu'une société est en train de prendre. On vit en ce moment dans une forme de maladie qu'on pourrait appeler le présentisme. Toute la publicité est fondée là-dessus, c'est-à-dire soyez heureux en consommant maintenant votre présent, en achetant ceci maintenant, en l'utilisant maintenant, en consommant maintenant ceci, cela, vous serez mieux. Mais dans la durée, comment s'exprime cette consommation-là? Est-ce que le fait de consommer notre seul présent ne fait pas en sorte qu'on soit consumé, qu'on soit brûlé, tant par rapport au passé que par rapport à l'avenir? On vit d'une certaine façon dans une apesanteur en flottant dans un présent qui devient un peu irréel. Ben voilà, je ne sais pas, ça peut faire peut-être office de conclusion à notre rencontre d'aujourd'hui, ça. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous ajouterons des archives puisque cette rencontre a été filmée. Donc peut-être que des cinéastes en utiliseront des extraits et... Donc, on souhaite qu'il en reste quelque chose. Ben, je vous remercie encore, merci M. Nadeau. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et on se revoit peut-être à une autre. Ah ben, Judith vient de dire qu'elle ne connaissait pas Antoine Desilets et qu'elle a trouvé ça bien intéressant. Je pense qu'on a accompli. Bon, ben voilà. On va. Quand on sème une graine, on espère toujours qu'il y a quelque chose qui pousse au bout. Merci encore. Là. Bonne fin de journée. Merci, Alain. Merci.